Normalement, vous avez l'image. Bonjour YouTube, j'ai craqué. On est mercredi 22 juin 2022. On est le 22-22. J'ai pété les plombs puisque j'avais dit que je jouerais pas avant la 1.0. Nous n'avons pas joué à ce jeu depuis le 7 février apparemment. Depuis le 7 février 2022, je n'ai pas touché à la drogue. Je n'ai pas vu de gens jouer au jeu à part Barbarous il y a 30 minutes. J'ai vu deux images chez lui, j'ai rien compris. Je suis retombé dans la drogue. Donc je sais pas quelles sont les nouveautés, il y a 4 mois et demi de nouveautés qui m'attendent. Désolé. Désolé pour la phase. Je vais relancer un Antonio classique, puisque apparemment il se passe beaucoup... Après il se passe beaucoup de nouvelles choses, mais ça se trouve j'ai pas en fait. Faut que j'aille voir. Antonio. Je vais prendre un Antonio classique. Quoique j'aimais bien Gennaro moi. Non mais Antonio classique, j'ai pas joué au jeu depuis 1000 ans. Not yet discovered. Ah oui mais voilà. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Et j'ai autorisé le backseat sur le chat, donc ça va être un stream de folie. Il y a plein de nouvelles maps. Il y a 3 nouvelles maps, 4 nouvelles maps, attends. Non, 3 nouvelles maps, 4 nouvelles maps, et ça c'est quoi? Place where mortals are not allowed, fate changes every minute. Hyper. Non mais j'ai pas envie de jouer en hyper, moi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé sur des touches et j'ai pas compris ce que j'ai fait. Le jeu a changé apparemment, hein. New, Axe, je connais, Garlic. Demain, dernier entretien après 2 entretiens de 2 heures pour un boulot après 4 ans. Bah, bon courage. Écoute, délecte-toi et repose-toi surtout, quoi. Merci beaucoup, Rotaviel, pour les 41 mois. Clock Lancet. Putain, il a refait les sprites, non? J'ai l'impression qu'il a refait un petit peu les sprites. Alors, la Clock Lancet, elle était floue avant. C'est comme le football, le jeu a changé. Mais là, je sais même pas ce que je fais. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est juste un sprite. Backseat, fais pas ça, bro. Ta-ta-ta-ta. Putain, mais y'a personne sur le terrain. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises, hein? Les sounds fixes, t'avais manqué. Ah, surtout la transition de level. Hein. Bon, toutes les minutes, mon fate change. Je sais pas ce que c'est que le fate, mais mon destin va changer. Holo Heart, New Evolution. Ah oui, c'est vrai que... Ah oui, c'est vrai qu'il faut le Holo Heart pour faire évoluer ton fouet. Non, mais vas-y, je prends le whip. J'ai pas la méta, hein. Moi, il y a peut-être une nouvelle méta. C'est ça, mon fate a changé. Du coup, maintenant, je me bats contre des hommes arbres. Hein. Ça se trouve, mon arbre de talent est pas assez rempli pour que je fasse des trucs comme ça. Affiché seulement si tu connais déjà l'évolution. Ouais, c'est pas mal, ça. C'est pratique. Ça tape toujours bien au-dessus en vrai. Hein. La hitbox elle est toujours là. Hein. Le Stone Max, plus de coins, King Bible ou la Axe. Je vais prendre la Axe en vrai. Le Stone Mask, on s'en bat un peu les couilles en vrai. Est-ce que ça boucle toujours, hein? Ah, y a toujours ce système de boucle. Hein. Mais attends, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller récupérer mon XP quand même, ce serait dommage. Ah, je vois, il y a des bons backseats dans le chat. Hein. Vous avez l'air de vraiment avoir pas mal joué au jeu. Hein. Ah, et maintenant, j'ai le choix entre 4 trucs. Comment ça? Garlic level 2. Vas-y, Garlic level 2. Garlic, ça fait toujours le taf. Surtout avec un truc... Oh, des coins. Ça n'a jamais bouclé. Ah, si, ça boucle. Enfin, c'est pas que ça boucle dans celui-là. C'est que ça sépare les ennemis. Mais tu retombes sur les mêmes ennemis, en fait, quand tu vas vers le haut. Genre, si t'es entouré d'ennemis... Character gain more experience. Alors je sais pas si dans ce jeu là c'est... Je vais plutôt prendre le Pumaro là en vrai. Je sais pas si dans ce jeu c'est méta de jouer l'XP. C'est méta dans Nomad Survival mais... Hop 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 hop. On est d'accord que j'ai lancé en hyper là. C'est vitesse x2 là. Pumarola level 2, Fire Wand. Ah, je vais prendre des armes, hein, s'il y a que ça. Pourquoi tu fais ça maintenant? Il y a une nouvelle update demain. Mais j'ai pas fait une seule update depuis 4 mois et demi. J'ai pas joué à une seule mise à jour depuis 4 mois et demi. Je sais même pas ce que je suis en train de faire, là. J'ai lancé un mode de jeu, je sais pas quelles sont ses spécificités, en fait. Garlic level 3 tous les jours. Ah oui, c'est la luck qui détermine le fait d'avoir 4 propositions au lieu de 3.
Oh, le gigot. Bon, on s'en fout du gigot. Oh, des momies. Donc, c'est totalement aléatoire. Ça, vous pouvez me répondre par oui ou par non. Ce mode-là, on rencontre des ennemis totalement aléatoires selon le passage à la minute. Comment ça marche? Oui, oui ou par non? Oui et non. Oh, c'est pas clair. Hein. Ne se prononce pas. Putain, c'est marrant parce que les soirs où vous avez le droit de backseat, c'est là où vous êtes les plus nuls pour backseat. C'est marrant, un chat Twitch quand même. Hein. Le whip level 4, let's go. Jamais fait ce mode. Oui et non, 52 heures de jeu. C'est aléatoire, mais ça dépend du personnage que t'as choisi, c'est ça? Let's go garlic. Hein. C'est peut-être que le streamer ne se pose pas les bonnes questions. Ah, il y a peut-être un challenge par personnage, alors, c'est ça? Ça dépend du perso. Lightning Ring, Whip. Non mais Whip, let's go. C'est pas ça. Ça dépend de la map. Genre là, j'ai eu la map de la forêt. Ah, j'avais oublié qu'il y avait ça. Whip level 6, let's go. Par contre, j'ai pas pris le Holo Heart parce que... Vas-y, j'ai eu un coffre pourri. Ça, ça régale par contre. Ça touche B pour passer. Les brasseurs. Les wings. La crown. Vas-y, j'ai pris l'XP. Hein. When a new normal stage is unlocked. Ok. Ah. Ah oui, genre c'est random, mais comme j'ai pas débloqué tous les ennemis, je peux avoir encore d'autres phases, c'est ça? Ok. Duplicator. Je sais même plus si ça marche sur le fouet duplicator, je crois pas. Hein. En tout cas, ce que je leur mets, c'est très très sévère. Hein. Si, si, si. Putain, c'est pas clair ce que vous me dites. Firewand, Ebony Wing, Pentagram. Vous êtes pas clair sur votre backseat, soyez plus clair. Hein. Ah si, le duplicator, ok. Le duplicator fait bien un coup de fouet en plus. Attends, mais c'est re un boss, ça? Garlic level 5, let's go. J'enchaîne les boss un peu, là. Ah oui, c'est vrai que dans ce jeu-là, il faut un coffre pour avoir la transformation d'arme. Genre là, si j'ai le garlic au max, il me faudrait un coffre. Hein. Petite hache. Comment on fait pour passer ça? J'ai appuyé sur Start, B, j'ai vu partout, ça change rien. Pumarola, Armor. Armor? Je me rappelle pas avoir joué l'armure. Je sais que c'est connerie. Garlic, Whip. Vas-y, Whip. Hein. Je me rappelle de rien. Hein. 4 mois et j'ai oublié quel était le level max pour avoir la transformation d'armes et tout. Hein. Je me rappelle que le fouet peut coup critique et que les coups critiques soignent une fois qu'il est transformé. Mais alors à quel level il le fait? C'est niveau 9. Wings, Axe. Il faut l'objet passif. Oui, ça, je m'en rappelle, par contre. Le coup de l'objet passif, je m'en rappelle très très bien. Et je ramasse plein d'XP, là. Je suis sûr que c'est un mode qui sert à rien et que je vais passer 30 minutes pour débloquer que dalle. C'est tellement sûr et certain. Oh, la Santa Water, elle a changé. Let's go Firewand, hein, quand il y a que ça. J'ai pas envie d'utiliser le wipe screen. Merci Nile pour les 6 mois. Déjà une demi-année, ça passe si vite. Des bisous à tous les 3. Merci Socrate pour les 5 mois. Bonjour à Chiche TV. Garia pour les 48 mois, 4 ans. Merci beaucoup.
Rotaviel 41, je crois que je l'ai dit. Ravi de pouvoir soutenir le stream zéro phase. Zéro phase ici. Ouais. Mastafafa, 21 mois. Rem, 9 mois, rien à dire, on est là. Et j'ai loupé Rucasus, le désabonné de Netflix, pour s'abonner au meilleur streamer. Ah. Ouais, Netflix, c'est un rip-off de toute façon. Bon, attendez, là, là, il y a une opération à faire. Là. Oh, le boss! Ah, attends, deux secondes. Bah duplicator, je pense. Hein. Ah vas-y, j'ai pas de chance sur les coffres. Merci YouTubeur pour les 7 mois de prime. Firewand. Tous les passifs qui donnaient pas de combo maintenant font des combos à des armes d'ailleurs. Ah parce qu'il y a des nouvelles armes, mais je les ai pas unlock encore. Par contre là ça devient critique que j'ai une transformation d'arme en vrai. Je fais des dégâts, y'a pas de soucis, hein, mais bientôt ça va être plus compliqué, je pense. Garlic level 6. Allez, allez. C'est quoi qu'il me faut pour la hache déjà? Toutes les armes ont une evolve maintenant. Ah oui, c'est vrai qu'à l'époque il y avait des armes qui avaient pas d'evolve. Le chandelier, il me faut. Garlic, hein, vas-y. Hein. Hollowheart pour le fouet. Ouais, mais ça, je l'ai esquivé au début de la run et c'était une erreur de ma part, je pense. J'aurais jamais dû faire ça. Là, j'ai l'impression que ça XP énormément, ce mode de jeu. Hein. On est déjà potentiellement pas si loin d'avoir deux armes améliorées. C'est énorme à 10 minutes de jeu, je trouve. Ah, je peux récolter tout l'XP. L'XP aussi est boost par ta couronne. Ouais, mais j'ai pris qu'une seule couronne. J'en ai pas pris plusieurs. Hop, le clover, 10% luckier. En vrai, ça va, c'est cool ça. 10% de luck en plus, je suis preneur. Putain, par contre, j'avais que ça d'XP sur la map. Hop, hop. Pas d'amélio avant 10 minutes. Ah oui, c'est vrai que tu peux pas améliorer avant 10 minutes. Ça, je me rappelais pas de ça. Le Empty Tom, Attractorb. Ah, Empty Tom, c'est fort quand même. Hein. Non, mais je me rappelais pas que c'était si difficile d'avoir ce que tu veux dans ce jeu. Genre, y a pas de reroll, quoi. Oh là là, oh là là. Calmez-vous, calmez-vous. Oh là, le bazar. T'as pas unlock les rerolls et skip d'items. Oulala, oui d'accord. Il y a des choses que je ne sais pas en fait. Les skip d'items. Ça va être incroyable. Hein. Backseat on. Ah c'est écrit backseat on. Hein. J'ai autorisé le backseat. Je suis comme ça moi. Garlic level 8, let's go. C'est bon, on a passé les 10 minutes bientôt là. Putain, bientôt dans 30 secondes en fait. Attends. J'ai besoin de prendre un peu d'XP là. Je me régale un peu là. Bone, non. Firewand, Axe. Oh les trucs qui pètent. Tellement bien le Bone. Avec Morticio, hein. Ah Cross. Ah oui, Cross, c'est vrai que ça évolue avec le gars, avec le trèfle. Oh non, mais non, tranquille. Hein. Le build est parti pour évolve des armes. Ah bah là. Là, je veux évolve garlic, fouet et hache. Hein. Je suis parti sur ça là. Hein. Firewand, Empty Tom. Tiens, je vais prendre l'Empty Tom. Hein. J'aime trop l'arrêt du cooldown. Ça marche trop bien. C'est un peu le mode plaisir, ça en fait. Il y a un boss. C'est juste un mode plaisir. Hein. T'avances, tu tues tout le monde et puis voilà quoi. Donc là normalement j'ai le garlic. Ok. C'est le garlic au milieu. Soul Eater, Evolve Garlic, Steel's Heart. Ah mais... Ah parce que le garlic avant il évoluait pas non. Ah oui je l'ai jamais eu ça.
J'ai jamais eu le garlic évolué. Donc ça fait quoi? Ça vole de la vie aux ennemis? Si, il évoluait. Du coup, il a changé d'évolution? Je comprends plus rien, putain! Humarola, Magic Wand. Ouais, je vais prendre Magic Wand. Hein. Tu l'as déjà eu? T'as eu l'indice de l'item. Ah. Ouais, j'avais dû le débloquer. Mais il est arrivé dans une mise à jour, je crois. Hein. Au tout tout début du jeu, il me semble qu'il évolue. Ah ouais, voilà, bah ça va être le bordel, là. Bon, quand j'avais joué au jeu, au tout tout début, le garlic évoluait pas, je crois. Rune Tresseur ou Crown? Vas-y, je vais prendre la Crown. Mais j'ai peut-être fait le patch, en effet, où... où il évoluait simplement. Bah, je l'ai évolué, j'ai débloqué le patch. Un petit homme. Mais il n'y avait pas encore les indices. Et là, j'ai débloqué l'indice, en fait, parce que j'ai fait une transfo. On va le voir sur le fouet, de toute façon. On va évoluer le fouet et on verra bien. Si le fouet a l'évolution, je débloque quelque chose. Alors, c'est vraiment juste les indices que j'avais pas, en gros. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Un petit homme. Bon courage pour évoluer le fouet. Bah, il faut juste que je tombe sur Holoart, en vrai. MDR, le fouet. Quoi? Je peux pas le fouet. Pourquoi je pourrais pas? Ah, parce que j'ai pris trop de passifs. Putain, c'est vrai que dans ce jeu, t'es limité en passifs. Oh là là. Oh, j'avais oublié. Bah ouais, mais j'ai joué à d'autres Vampire Light qui sont meilleurs depuis. Bah du coup, faut que je prenne la crosse, alors. Bah ouais, j'ai joué à des jeux meilleurs depuis. Genre Nomad Survie. Firewand, j'ai pas... Firewand, j'ai de quoi la transformer ou pas? Je sais plus. Un petit homme. Magic Wand. Backseat on, bitrate off. Rip pentagramme. Quoi, j'avais une transformation avec le pentagramme? Et merde. Ah, pourtant, vous avez le backseat autorisé. Vous avez pas réussi à me backseat. C'est triste, un peu. Putain, j'avoue que Rune Tresseur aussi. À l'époque où je jouais, moi, Rune Tresseur, il se transformait pas. Info sûre. Info sûre que Rune Tresseur, ça restait tel quel. Après, c'était très fort. Hein. Ça avait pas besoin de transfo. Hein. C'est pas parce qu'il est autorisé qu'on doit backseat. Ah, mais ça, c'est à toi de voir. Hein. Moi, je m'en bats les couilles. Hein. J'ai mis autorisé. Hein. Merci à Dornol. 6 mois. Je passe pas beaucoup en ce moment. Le pas, j'ai envie de rester. Merci à Evil Angel pour les 8 mois. Au nom, 8 mois de bras, c'est de 0 phase. C'est pas du tout la phase de Strict Labo. Merci beaucoup. Coupa Cabra, 6 mois, le retour de la phase. Non! Oxonia pour les 22 mois. Je suis jamais là, mais je sais pas comment on unsub. Il y a un chien à nourrir. Oh merde. Bergamamout, merci pour les 7 mois. Coucou. Pour le retour des vampires, merci Poyo pour les 10 mois de Prime. On a eu un Magic Wand. En vrai, du coup, Magic Wand, lui, on peut l'améliorer. C'est la Fire Wand que je peux pas améliorer. Ah, mais du coup, je vais perdre la game parce que je vais pas pouvoir transformer toutes mes armes. Il me faut plusieurs transfo là. Fireward est pas transformable. Vas-y, je vais prendre la Crown. Je vais jouer l'XP. On va tenter des trucs. On tente des trucs ici. Ça va l'XP? Tranquille? Je vais prendre la Cross. Ah, par contre, commence à y avoir un tout petit peu de monde en 1. La PGW. La TwitchCon Europe, regardez là. Ah, la TwitchCon Europe, ça commence à... Putain, c'est fort le son. Ça commence un peu à ressembler à un marathon des OP de mon côté là. On dirait un peu le... Oh, c'est quoi ça? Ah oui, c'est le NFT. Ça commence à ressembler à un mois de la gentillesse ou à un M-Event. Pour citer les meilleurs marathons d'OP. Magic Wand, on peut l'augmenter, mais cross aussi.
Mais bon, je prends tout, hein. C'est pour la maison, pour le toutou, hein. En plus, c'est des belles opportunités, donc... J'espère que ça passera et que j'en aurai un max à faire. Cross level 6, let's go. Le Shish Heaven, toi. Ah, vas-y, la cross, hein. Red Shadow Genshin Legend. Non. Non, par contre, je prends pas. Non, je prends pas ça. D'un côté, j'ai bloqué. J'ai bloqué ces termes dans ma boîte mail, donc je les reçois même plus. Enfin, je les reçois sûrement, mais je les vois pas. Je ne pose pas les yeux dessus. Vas-y, un petit coffre là, j'ai ma crosse là. Viens là, viens là, viens là. Let's go! Ah oui, ça se transforme en épée Evolved Cross can deal critical damage. Oui, donc c'est bien en fait. C'est pas le succès, c'est juste l'indice que j'avais déjà Evolve la Cross. Oh, le NFT. C'est toujours n'importe quoi ce jeu. Oh, un boss. Attends. Ah mais l'XP ça devient compliqué là. Wow, attends, mais on est vraiment qu'à 15 minutes là. On est les Daft Punk, get lucky au pire, mais... Ah, je vais prendre la crown. Est-ce que ça sort un jour sur mobile? Bah si tu veux faire fondre ton téléphone, pourquoi pas, hein. Merci beaucoup pour les subs offerts, petite méta. Combien? 27 subs! Quoi, 27? C'est mon âge. Merci énormément. Merci beaucoup pour les 27. Ça fait un compte rond. Ah, j'avais pas vu. Merci Raccoon pour les 57 mois de prime. Petit Ounet, 32 mois. Petit 32 mois, bonne phase à toi. J'ai loupé qui? Guilhem, 5 mois. Petit passage par le live pour une fois. Ça fait bizarre de te voir en vitesse x1. Ah bah là, oui. Et merci énormément, petite méta, pour 27. Merci beaucoup. Oui, il y a un Vampire Light sur mobile, ça s'appelle Magic je sais pas quoi, et c'est lui qui a donné l'idée aux développeurs de Vampire de le faire sur PC. C'est Magic Survival ou je sais pas quoi là. Maintenant il doit y en avoir plein d'autres en vrai. Hein. C'est lui l'original. Hein. Si vous voulez mettre une photo dans vos toilettes, il faut mettre la photo du développeur de Magic Survival sur... sur téléphone. C'est lui qui a inventé la phase. Vampire Survivor, c'est un ersatz en fait. Hop, 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 hop. Vas-y, let's go, Magic Wand. Hop. Oh là, le bazar! J'ai vu un ennemi d'élite. Laisse-moi aller voir l'ennemi d'élite là. Merci Orlando pour le sub offert aussi. La Magic Wand, elle fait quoi? Elle tire en continu, non? Fires with no delay. Ouais, du coup, mon MT Tom, il sert plus à rien, quoi. C'est moi ou le mode challenge? C'est juste le mode pose ton zizi sur le clavier et gagne. Fire Wand level 7. Bon, je prends les dégâts, hein. Ça a l'air un peu facile ce mode de jeu. C'est plus compliqué quand tu unlocks de nouvelles maps. Hein. Ah. Comme ça j'ai pas compris. Mais mal backseat tout à l'heure. Écoute, on va faire la. On part à la recherche des golds. Hein. Je pense que c'est jamais perdu. Je suis quand même level 57, c'est beaucoup. Hein. Je suis même pas sûr que les maps bibliothèques, on les finissait à 50, level 57 à l'époque. Clover. Merci, petite méta, d'offrir un autre sub aussi. Mais voilà, il n'y a plus de contrôle du coup. Maxi, t'es mieux. T'es à 17 minutes, tu risques de finir par en chier un peu. Bah, c'est vrai qu'en fait, là, je vais atteindre bientôt mon build maximal en termes de DPS. Quand j'aurai... J'ai déjà transformé tout ce que je pouvais transformer, je crois.
Donnez-moi l'argent. Oh oui. Firewand level 8. Et voilà, en fait, j'ai plus rien d'autre à monter que Pumarola et l'armure. Après, c'est des items défensifs, donc c'est cool. Tu la finissais au-dessus de 100 avant. Je pense que vous avez oublié les débuts de Vampire Survivor. Vous avez jamais arrêté de jouer au jeu, mais... Vous êtes confus. Vous vous rappelez mal des débuts. Il est parti où le mob d'élite? Il est repoussé comme jamais là. Bouge pas, bouge pas! Non mais revine! Mais... Impossible de lui mettre la Zubida parce que... Il est où? Ah, il est là. J'ai eu une armure, okay, vas-y. L'armure c'est fort de toute façon apparemment. Je fonce dans les ennemis, je prends à peu près 0 dégâts là, depuis tout à l'heure. Par contre je liche pas tant que ça. Hein. Ce qui est sûr c'est que tu as pas évolve les piafs, le pentagramme, le rune tracer. Ah les piafs si je les évolve. C'est-à-dire la dernière match du jeu que j'ai fait c'était les piafs je crois. J'ai évolve la Pichoune en super Pichoune. Hein. Étrange, t'avais pas l'indice. Ah mais j'avais zéro indice. Ah quoi que si. Oui non mais oui, il y a les indices affichés par le jeu et il y a les indices débloqués en bas de l'écran quand on transforme les armes. Non mais j'ai fait la super Pichoune, c'est sûr. Hein. Là l'indice n'était pas affiché, c'est vrai. Pourtant c'est sûr que je l'ai fait parce que j'ai le succès Steam. Hein. J'ai pas besoin d'indices moi. Là où on va, on n'a pas besoin d'indices. Hein. J'ai juste besoin d'un chat en effet. Oh c'est quoi ce gros tas de gold? Ça donne combien ça, 100 gold? Le paquet, il était brillant un peu, tu vois, genre, on sentait que c'était un paquet bien NFT, bien arnaque. C'est qui, lui? Attends, est-ce qu'il y aurait enfin des vampires dans Vampire Survivor? C'est un vampire, lui? C'est le sorcier. On va attendre que je le ratio, là, vite fait, hein. Attends, je vais être ratio le sorcier là. Ça galère parce que je sais pas, il a l'air d'avoir beaucoup de vie mais. Reste pas loin, bâtard. Oula, oula, oula. Mais combien de points de vie là? Je suis en train de le fumer depuis tout à l'heure. Okay. Fumarola. Il n'y a pas encore eu d'effort sur la musique par contre. Hein. 4 mois plus tard et les musiques c'est encore une seule musique pour 30 minutes de jeu quoi. Alors que Nomad Survival, plus t'avances dans ta run, plus la musique change. La meilleure musique pour les coffres. Ah ça par contre ouais. Il a le meilleur gacha celui-là. Le sentiment quand t'ouvres les coffres, il est inégalé sur Vampire Survivor. Il a la meilleure roulette casino, quoi. Mais je vais aller rééquilibrer les sons pour qu'on entende un peu la zip. En... bazar. Hop, 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 la, la. Que demander plus que le gacha, ouais, c'est vrai. Une bonne musique quoi.
Mais lui, il est intestable, lui. Mettons, je bouge pas, là. C'est win ou c'est pas win si je bouge pas? Ah, en vrai? J'ai envie de boire de l'eau, là. C'est mort à 24. T'as pas le build, ça va passer à un moment. J'ai pas le build qui me dit. Va aux toilettes, tu verras. T'as pas le build qu'on me dit. Alors que je l'ai totalement, regarde, 23 minutes là. Je suis en train de ratio les 23 minutes de fou. Papa lapin, qui veut une bonne musique alors que la mixtape légendaire est non DMCA. J'ai écouté 2-3 titres de la mixtape là, mais je préfère pas aller plus loin parce que sinon on va m'appeler l'aigri. J'ai peur de pas être dans le délire et du coup tout le monde va dire oh Shishayu, putain il est trop aigri quoi. Vraiment zéro fun quoi. Il aime pas s'amuser quoi. Mais je suis sûr que c'est légendaire, en effet. Pas de soucis. Je vous fais confiance. Tu fais exprès. C'est ça, tu veux pas être un normie. Tu fais exprès de pas marcher dans le même sens que tout le monde. Tu peux l'écouter, on le disait déjà avant la mixtape, quoi. Je comprends pas. Ben, il a écrit une phrase, j'ai pas compris. Merci, voir lui pour le sub offert, des bisous. Je suis très aigri. Que t'es un aigri. Ah, tout le monde savait déjà que j'étais aigri, du coup, je peux l'écouter quand même, ok. Non mais je ne ferai aucun commentaire. Je vais faire comme tout le monde et je vais dire légendaire. Fogg a 1.0 et là j'ai 2 heures de retard. Mais c'est pas la 1.0, j'ai trahi. J'ai trahi, je n'ai pas qu'une parole, j'en ai 10. Shishayu, voilà, si vous cherchez quelqu'un avec qui travailler dans le milieu, sachez que je n'ai pas une parole, j'en ai 10. Voilà, si jamais vous êtes éditeur de jeux vidéo, si... Si jamais vous souhaitez travailler avec la Chiche TV, voilà, je n'ai pas une parole, j'en ai 10 ou 15. J'espère que ça vous rassure. Ta-ta-ta. D'ailleurs, demain, OP sur Genshin Impact. Ça leur a vachement plu quand je leur ai dit que j'avais 10 paroles, Genshin Impact. Ils m'ont dit, ouais, ça, tu vois, c'est une qualité en vrai. Tu devais mourir à 24. Non, mais oui, non, mais ça, on les connaît. Désolé, mais moi je suis un aigri, je ne meurs pas à 24 minutes. Je mourrai à 27 minutes. Oula, oula. ...29-30, tu meurs 100%. Alors, 29 minutes 30, je meurs 100%, on me dit. Demain, unboxing du dessin d'Edmund. Non, je dirais rien. À 30 minutes, je die 100%. Bah ça, oui. Oula, oula, oula. C'est quoi ça? Golf Fever. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? What? Mais c'est la vie, ça!
Le Gold Fever. Regardez-moi ça, l'argent des subs. Ouais, let's go. Merci beaucoup pour tes 27 subs. Merci les potes. Merci Genshin. Quoi, c'est déjà fini? Eh, c'est plus court qu'un train de la hype. C'est quoi cette arnaque? Qu'est-ce que c'est que cette vieille arnaque? Redonnez-moi une Gold Fever tout de suite. J'approche des 5000 gold la run quand même. Hein. Correct tir. Hein. Bon, en tout cas, c'est pas les 27 minutes qui vont me buter non plus. Hein. C'est rare le Gold Fever ou pas hein? Genre là, j'ai eu de la chance un peu dans tout ce bordel où ça arrive à chaque fois. Arrête, il me propose la bidoche. C'est pas rare. Hein. Bah j'ai le swim. Ah mais il y a du monde d'un coup là. À 28 minutes, il y a eu un petit changement quand même. Après, si je me mets à marcher, c'est imperdable quoi. Il n'y a pas assez d'ennemis pour me stopper en fait. Pour le call, c'était 29 minutes 30, je meurs apparemment. Je meurs 100%, on m'a dit. Ta 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 ta. Qui peut me stopper? Personne. Un peu d'XP. Pourquoi j'essaye de taper le boss alors qu'on s'en fout hein. Ah, 29 minutes. Ah, 29 minutes, ça a l'air chaud un peu. Merde, le coffre. .933 hein. Cringe un peu hein. Oula oula oula. Non. What happened? Attends, tout d'un coup je tuais plus personne. Non. Meurs pas, il restait 2 secondes. Il restait 2 secondes, mon pote! Qu'est-ce que t'as fait? Attends, defeat total of 3000 Lion Edge, j'ai débloqué un panda. Fill 50 entries in the collection, j'ai débloqué Banish. Hyper Ilmolize. Hyper mode. Je sais pas ce que c'est. 29,57 a été call. Hein. C'était 58. Dommage. Vous aviez tort. Power up. Ah, mais moi, regardez, mes power up, ils sont nuls. Hein. J'ai rien dans les power-up. Hein. Genre l'XP, j'ai rien. J'ai même pas un revival. J'ai rien en puissance, en armure, en max health, en recovery. J'ai rien là-dedans. Might. C'est vrai que si j'avais eu Might, ça aurait été bien, non? Ça coûte cher, Might? Mais ça coûte cher un peu. Armor, max health, tout ça, on s'en fout en vrai. Alors que gros... Banish, once per rank, allows to remove an item from level up choice. Ah, ça, c'est trop bien, ça. Que je prenne Banish, Curse. Non mais Curse c'est quoi? Augmente la vitesse des ennemis, leur vie, la quantité et la fréquence par 10% par rang. De 10% par rang, c'est nul. Va prendre ça. Moi je pense que j'économise mes gold, alors je mets un point en armure. Un point en max health. Plus d'XP. Ah oui, ça donne plus d'XP, c'est pour farm. Qu'est-ce que j'ai débloqué? J'ai débloqué... Attends, mais il y a plein de persos. Putain, mais faut les acheter, les persos. Quel abruti. Mais quel connard. C'est pas grave, je vais prendre Pascalina. Et le français de dispo. Comment on fait? Option. Français 80%.
C'est bien en français? Va check le menu unlock. C'est succès? Il y a plein de trucs à faire, mais... Survive 15 minutes avec Pugnala. Non, le panda. Collection. Putain, mais il y en a des trucs. Hein. Non, mais attendez, je vais prendre Pascaline. J'ai débloqué Ilmolise. Il existe des endroits qui n'existent pas. Venez vous détendre et profiter de la vie. On se voit à la campagne. C'est quoi ce truc? Ilmolise. Niveau bonus. Attends, mais... Je comprends pas comment on enlève le hyper mode. Enlève l'hyper mode. Quoi qu'hyper mode, gold bonus et luck bonus quand même. Hein. Ouais, vas-y. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le pire mode? Ah, faut bien découvrir, hein. C'est quoi? C'est juste des plantes qui poussent? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le reliure magique augmente la durée des effets des armes de 10%. C'est un mode de farm. C'est le mode détente. Et ça s'arrête un jour, le mode détente, ou... Ça a un but ou pas? minutes. Vas-y, hein. Il y a sûrement un succès à débloquer. Ah, par contre, je me rappelle pas. Rune Tracer m'a dit que c'était l'armure. Par contre, la bague de tonnerre, je me rappelle plus de comment ça s'augmente. Tracker de rune. Ça, c'est le gant pour le couteau. Il affiche les combos maintenant. Ouais, mais en fait... c'est pas clair parce qu'il y a des combos. Je sais pas si je les ai déjà eu ou pas, en fait. Ouais, le bazar. Mais il y a des arbres. Il y a des tiers d'arbres. C'est incroyable, ce mode. C'est le meilleur mode. Regarde-moi ça. Ah oui, poignard avec les bracelets, ça marche, ça. C'est le meilleur mode de jeu du monde. On a rarement vu mieux. Les poignards, la bague du tonnerre. Et tu peux perdre ou pas? Ah oui, si je vais dans les ennemis, tu prends des dégâts. Okay. Bon, fallait bien découvrir. Hein. Tracker de runes. Le rune tracé. Ah mais attends. En fait on n'aura jamais d'évolution parce que les évolutions c'est pas avant 10 minutes déjà. Et en plus de ça il n'y a pas l'air d'avoir de coffre. Oh, quelle baise. Si tu auras. Ok. Il y a bien des coffres. Baguette de feu, pentagramme L. Faut que je teste la fonction de bannissement, j'ai pas compris exactement ce qu'elle faisait. Oh! Ça doit être un coffre, ça. Rune Tracer. Mais il a disparu? Ah non, c'était... Ok, c'était... Morticio sur cette map. Oh, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs débiles sur cette map, vu à quel point c'est le farming d'XP. Fonction bannir, à qui qu'un viewer de la chaîne. Ce serait incroyable, non? Un jeu où quand t'appuies sur bannir, ça banne quelqu'un au pif dans le chat. Oulala, oula! Mais pourquoi j'ai eu autant de niveaux là? Qu'est-ce qui se passe? Oula le bazar. Les épinards avec la baguette de feu. Ça a pas l'air de farmer les golds.
J'aimerais acheter un nouveau personnage, moi. Oh! Et les petites feuilles dans les arbres maintenant, trop mignon. En vrai, c'est le pire mode. Si on te propose l'armure, prends sur cette game. Bah, je sais bien. Bannir un restant. Je sais pas ce que ça fait bannir. Ah, genre, je peux bannir le fouet ou l'ail. Ah, il faut bannir des passifs plutôt, ça a l'air meilleur de bannir des passifs. Ça supprime l'item du pool. Hein. Vaut mieux virer des passifs, non? Ça dépend les runs. Le pentagramme. Décime tout ce qui est visible. Je sais pas quand ça se transforme le pentagramme. Oh oui. C'est avec la couronne d'XP? Ah non, la couronne de gold. Ah non, l'XP crown. Ah, c'est le masque, les gold. La crown, c'est l'XP, en effet. Couronne de pex. Merci, Mastro, pour les 8 mois, pouette. Gyrocuronium, pour les 39 mois. Cœur vide, c'est non. Faut que je banniche aussi, hein. Poignard, épinard, baguette magique. Il a réussi à prendre des dégâts dans le mode. Bah ouais. Pourquoi j'aurais pas réussi? Allez hop. Vas-y, une baguette de feu. Hein. Le pentagramme. Le pentagramme, quand tu tues les ennemis, t'as pas d'XP. Pas de récompense, quoi. Le duplicator. Attends, le duplicator, il sert à transformer une arme maintenant ou pas? J'ai déjà les épinards. Oui, anneau de foudre. Ah, l'anneau de foudre que j'ai là? Mais insane en fait. Ok, nice. La hache, j'ai supprimé le candélabre, donc non. Vas-y, j'ai envie de rien prendre. Hein. C'est une oméga dingue, le tonnerre. Ah, mais il me faudrait un coffre, mais bon, c'est à partir que de 10 minutes. J'arrive pas à avoir l'armure. Hein. Ils sont trop stylés les sprites d'arbres par contre, il y a vraiment, on a eu tout un spectre. Tout un spectre de faune. Merci d'avoir supprimé tout mon XP, le pentagramme. Masque de pierre, donc c'est pas celui-là. Vas-y, je vais prendre ça. Poignard. Duplicateur. Non, mais des fois, je fais la blinde d'XP, je sais pas comment. Poignard. Je crois que c'est les petites boules rouges. Elles rapportent énormément, mais vraiment énormément de texte. Oui, bah, la flore, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit la faune. Regardez-moi ça, les petits pinguinos, là. Trop bien, la faune. J'adore les pingouins, j'adore les petits oiseaux, là, on les voit. Mais mes préférés, c'est les petites chèvres. Regardez-moi les petites chèvres qui bêlent, là. Les cristaux rouges, la quantité d'XP est aléatoire. La croix, j'ai pas le luck up. Baguette de feu. Il me faut l'armure là. L'armure elle veut pas tomber, ça dégoûte. As-tu vu les petits pinguinos qu'on chaud aux pattes? Oula, il y a de l'XP là. Mais j'ai déjà level 39 en 6 minutes. Ok. Épinard. C'est oui.
fortifiant. Pourquoi pas. Le patagramme. Épinard. Trèfle. Trèfle, on pourrait jouer la croix, mais bon. Phase pour phase. Merci Alexama pour les 1 an de Prime, des bisous. Ouais, ça me fait grave plaisir de rejouer à ce jeu. J'aurais dû attendre la 1.0, mais j'ai craqué. J'ai l'impression que j'ai des dingues à découvrir. Fini tes épinards. Fun fact, j'adore les épinards. C'est trop bon. Oh, la crown! Petit coup de NFT, là. Là, le bordel. Là, le bordel. Les épinards. Les NFT qui brûlent la forêt, c'est RP, j'avoue. True story. Amazon Simulator. On va prendre la reliure magique, hein. La durée des effets, ça doit marcher sur le Rune Tracer. Hein. Il est sympa ce stream en 240p. Bonjour, hein, bienvenue. Au moins, je suis un peu flouté, vous me voyez pas. Ah, j'ai ramassé un cristal rouge, il m'a rien donné ce bâtard. Merci Gabi pour le Prime. Benoz pour les 2 mois de Prime, remonte ton Benoz. Merci, merci. Ah, le cristal rouge, là, il était bien. La Bible du Roi, nouvelle évolution avec... Ah oui, c'était Spellbinder, c'est ça? Bah vas-y, let's go. Ils sont où mes coffres, là? Constate pas de coffre. Plus que l'armure. Ah, j'avoue, si j'ai l'armure, je suis bien. Info chat, les coffres. Y'a pas de coffre? Comment ça? Oh, l'armure. Bah non, me dites pas que je vais pas avoir le... Bah non. Un seul coffre sur cette map. Quoi? Bah, je vais avoir une transfo, mais c'est nul, quoi. De toute façon, oui, on n'est pas encore à 10 minutes, mais... Il y en a plus qu'un. Putain, mais mettez-vous d'accord, quoi. C'est pas possible, ça. Info chat aide, y'en a pas un pour donner la même info que l'autre là. Oh. Oh. Bah voilà. Mais non, on n'est pas à 10 minutes. Ah, ça marche quand même. Boucle du tonnerre requiert duplicateur. Merde, j'ai pas regardé ce que ça faisait. Ça a l'air d'envoyer la blinde d'éclair. La foudre tombe 2 fois sur les points où elle frappe. On est d'accord que c'est un vieux qui m'a donné un coffre. On est d'accord que c'est un vieux croulant dans une cabane en bois qui vient de me donner la Master Sword, là. Le vampire original, merci Cocotti pour les 4 mois. Le vampire cru original. Ouais. T'es pas au bout de tes surprises. Ah bah j'ai vraiment pas joué au jeu depuis 4 mois et demi, donc ouais, des surprises, je pense que je peux en avoir 2-3. Ouais. Oh, j'ai vu le one shot one kill hein. Ils sont où mes coffres là? Oh, j'ai vu un vieux je crois.
Pas plusieurs d'un coup, s'il te plaît. Les couteaux, j'ai déjà eu. J'arrive pas à tomber sur le pentagramme. Hein. Le pentagramme. Encore deux pentagrammes là, pour un rêve. Hein. Deux pentagrammes pour une unlock de rêve. Hein. En 4 minutes, ça se fait, non? Si je prends tous les pentagrammes du monde, que j'ai un peu de chance sur les XP rouges, je pense que ça peut le faire. Faut que le jeu me propose pas trop de passifs. Coffre en bas, à gauche. Hein? Ah oui, vu. Attends. Alors j'attends de voir si je peux pas avoir le pentagramme d'abord. Il m'en manque un, je crois. Ouais. Allez, avec un peu de chance. C'est ça ? No future evolve rune tracer explode when bouncing. Ah bah non. Mais rune tracer, j'avais jamais eu l'évolution aussi. Attends, il fait des feux d'artifice le rune tracer maintenant ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Le 14 juillet avant l'heure, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? C'est archi pété, ça a l'air complètement broken, ouais. Mais... Vas-y, il me faut des coffres là. Gardez les yeux ouverts pour les coffres. Que moi je vois rien. Officiel que c'est difficile de... Ok, mais le pentagramme fonctionne. Eh bah oui, le pentagramme il est pas évolué, connard. Enlève l'affichage des damage. Pourquoi? Ça baisse l'encodage. T'as la flèche qui indique quand il y a un coffre. Ouais, mais quand il y a l'ennemi qui donne un coffre, il y a une flèche qui indique ça ou pas? Pour nous aider. Ah oui, coffre, flèche, flèche. Vous voulez que je vous backseat? Let's go, le pentagramme! C'est pas le pentagramme, ça! Requiert épinard, c'est la baguette de feu! Mais nick! J'ai legit toutes mes transformations avant d'avoir le pentagramme, quoi. Il reste 1 minute 30 pour un coffre! Entraîne-nous, je vous entraîne sur la prochaine game. Ça va de gauche à droite, les évolutions? Bah, c'est faux, alors. Pour deux coffres. Ah bah non, un seul coffre. La Bible, je l'ai déjà évolué. C'est pas un problème, ça. Ça a l'air d'être des grosses conneries. Les évolutions vont de gauche à droite. Hein. C'est complètement aléatoire. Hein. Vas-y, il me faut un coffre, là. Redonne un coffre. Hein. Fumier, va. En tout cas, c'est vraiment pire qu'avant. Hein. En 15 minutes, là, regarde la gueule du build. Donne un coffre. Orbe au-dessus. Oh, mais là, moi, je vois plus rien. Là. Ah, j'ai fait des golds, quand même. Hein. C'est dans l'ordre d'obtention du level max. Ah, et du coup, comme j'ai eu le pentagramme en level max en dernier... La souris, c'est chez vous. Me faites pas croire que vous arrivez à percevoir une souris sur l'écran, là. Mais même moi, je la vois pas, la souris. Même moi, je vois pas de souris sur l'écran. Sur ma cam.
Non, qu'est-ce qu'il... À gauche de mon bras. Ah oui, c'est bon, je la vois maintenant. Vas-y, j'ai pas transformé le pentagramme. Nouveau succès, faites monter le pentagramme au niveau 7. J'ai débloqué un perso. Survivez 15 minutes à Molise, j'ai débloqué passé. Ah vous voyez, il fallait que je le fasse. Ça a l'air bien passé. Faites évoluer l'anneau de foudre. Oui, il fallait que je le fasse. De fou, en fait. C'était trop bien de faire ça. J'ai débloqué passé. Une fois par rang, permet de sauter les choix de monter de niveau et d'obtenir de l'expérience à la place. Oh, c'est nul. Le mieux, c'est reroll. Il faudrait que j'aille débloquer reroll. J'ai mis une malédiction. Christine, commence avec un niveau supplémentaire. Cavallo, obtient des projectiles supplémentaires tous les 20 niveaux. Ah mais c'est le personnage préféré d'Aeterna du coup, Cavallo. Il obtient un projectile supplémentaire. Il y a Gnocchi aussi, enfin Croqui. Vas-y, je vais débloquer Cavallo moi. Cavallo le panda. Non, ça pue. Tu la reroll. Quoi? Ah oui, relance. Ça coûte 10 000! Mais non, c'est pas reroll, c'est... Ça, c'est le fait de revivre. Mais non, j'ai pas reroll. Là, l'autre, il m'a dit, tu l'as reroll, smile, alors que je l'ai pas du tout, quoi. Collection, succès. Comment je dois faire? La bibliothèque marquetée a tenu le niveau 40. Survivez 10 minutes, machin... Survivre 30 minutes avec Lama, 20 minutes avec au moins 10% de malédiction, 20 minutes avec Croqui. La trade des fers est dégueulasse, récupère un total de 1000 HP. All 6 différentes weapon evolution at once. Essaye de voir un peu qu'est-ce qui a l'air d'être intéressant de faire. Trouver, ouvrir le cercueil dans la forêt folle. Oh là là. Vas-y, attends, je vais lancer un cavallo dans la bibliothèque. Cavallo dans la bibliothèque marquetée. Qu'est-ce que c'est qu'une bibliothèque marquetée? Attends, pourquoi c'est vert? Ah! Tu joues le panda, je te conseille de jouer le chandelier. Ouvre ta carte. J'ai pas de carte, qu'est-ce que vous me racontez là? Ouvre ta carte, il me dit. Il y a une carte dans le jeu maintenant. Bientôt, on va me dire, mais non, mais TP-toi, utilise ta moto, qu'est-ce que tu fais? Ce mec il rejoue au jeu et deux secondes après, mais mange des kits des cheesecakes dans le jeu, putain, mais... Oh là là. Putain, il sait pas jouer, équipe ton arme. Équipe ton arme, mets des runes dedans. Va sur le marché, achète des gold. Deux secondes, je redécouvre. Tracker de runes. Alors, tracker de runes, on l'a déjà joué. Est-ce qu'il se transforme le bistouri d'horloger maintenant? J'imagine que oui. Oh là là. Oui, mais tu peux pas. Ah merde, j'ai pas débloqué ce qu'il fallait. Oh, le seum. J'ai pas unlock ce qu'il faut. Ah bah non. Dommage. Je vais voir le truc vert. Je vais aller ouvrir le cercueil maudit là. Je vais aller réveiller M le maudit. La bombe cerise. Portée de base, puissance de tir. C'est quoi qu'il me faut pour améliorer la bombe cerise? On va me dire, t'as pas ce qu'il faut. Pas d'évolution. Vous mentez, vous m'avez dit, toutes les armes elles ont une évolution. On va dire, ouais, mais pas celle-là. Tous les passifs ont une évolution. Ah. J'arrive pas à XP, c'est terrible. Je prends ça en pré-shot. Bof. Donc les os de Morticio n'évoluent pas non plus. Putain, dommage ça. Ça veut dire qu'on peut quand même débloquer les bombes cerises pour tout le monde.
Comme les autres Morticio que tu peux débloquer pour tout le monde, mais qui n'ont pas de transfo, quoi. Augmente la portée des attaques de 10%. On m'avait dit Candélabre, c'est bien. Attends, Candélabre, ça se joue avec quoi déjà? La hache. Candélabre, c'est la hache. Baguette de feu. Reliure magique, bistouri. Je vais prendre des dégâts parce que c'est un peu cringe là, mon personnage est en train de se faire allumer. Faut dire, les bombes cerises, ça a pas l'air fou, hein. Ça a l'air très random, hein. Attendez, j'ai besoin d'XP, là. Bombe cerise. J'aurais dû prendre l'armure. J'ai pas un build de dingue, là, hein. En plus, j'ai pas réfléchi au fait que j'allais avoir plus 3 projectiles. Hein. Dommage. Attends, j'en profite pour avancer, là. Putain, mais c'est loin, vos histoires. Épinard. Ah ça, épinard, il me faut. Putain, j'ai bien refil HP, là. Donne-moi le coffre. Bien. Firewand, pourquoi pas. De toute façon, j'ai juste besoin de dégâts. Vu comment je galère, là. Couronne. Alors, attendez, couronne, c'était avec le pentagramme. Et j'ai pas réussi à transformer le pentagramme tout à l'heure. Vas-y, je vais pré-shot une couronne. On va essayer de choper un pentagramme. Pour transformer le penta et gagner des golds. Trop cringe le pentagramme, pourquoi? Là, je suis en train de suivre une flèche verte que je vais jamais atteindre en fait. C'est vraiment ça qui est en train de se passer là. Hein. La bague du tonnerre. Hein. Vas-y, bombe cerise. Hein. La carotte de la flèche verte. Je suis vraiment en train de me faire carotter là, je le sens. C'est pas l'original celui-là. L'original, on l'a dit, c'est Magic Machin sur téléphone. Merci Raoul pour les 8 mois. J'encaisse pour les 13 mois de T2. Porte malheur ça. Chica Chica pour les 22 mois. Bonsoir, j'ai Kakel Prime qui dort. KV pour les 11 mois. Que coucou. Cocotti qui disait le vampire original. Non! Merci pour les 4 mois. Voilà, is back 11 mois. Normalement, j'ai tout le monde là. C'est bon. Vas-y, les bombes cerises quand même. Hein. Je vais les augmenter parce qu'on sait jamais quoi. Surtout qu'au level 20, j'en gagne 3. 3 projectiles supplémentaires. Oh là là, oh là, ça sent le cul dans le coin là. Celui-là, c'est le plagiat original. Le candélabre, l'orbe d'attraction, je sais pas avec quoi elle se transforme. Et je vais prendre le candélabre. La traduction aux fraises de la cerise. Je sais pas, mais on m'a dit mets le jeu en français. On m'a dit beaucoup de choses. Hein. L'eau sainte. Ah, techniquement, l'eau bénite, est-ce que c'est pas un peu de l'eau sainte? Est-ce que vous jouez pas avec les mots, là? Un plus 3, un plus 3, s'il te plaît. Bombe cerise. Bah, c'est les cherry bombes, quoi. J'ai la ref. Hein. Faudrait que je banne un truc. Hein. Quand tu bannes un truc, ça skip le level, on est d'accord. Genre, tu gagnes rien. Tout à l'heure, j'ai gagné 2 niveaux d'un coup, je crois. Hache candélabre, c'est oui. Le patagramme. Je
Je n'ai qu'un rêve et il s'appelle Pentagram. Bon, il me manque quoi là? Du coup, cloque lancette, je peux pas. Et le cookie, je peux pas non plus. Donc, je peux prendre deux trucs que je veux en fait. Je peux prendre deux passifs qui m'intéressent et lock ma RNG. C'est sûrement ce que je vais faire d'ailleurs. Au cœur vide, peut-être pas non plus quoi. Sauf Tom et Mask. Oui, oui, parce que tu peux les avoir gratuitement. Ah! Alors ça, c'est quoi déjà? C'est le Empty Tom. Mais du coup, il faut d'abord que je ramasse des passifs, sinon c'est complètement con de le ramasser comme ça. Armure. Bon, armure, j'en ai pas besoin, j'ai pas le Rune Tracer. Bon, je vais rester dans le coin et je vais XP un peu. Je vais remplir mes slots. Ouais. Et pour ça, faut qu'il y ait des passifs qui m'intéressent, quoi. Attractor, genre, grave utile. Duplicator. Je veux que duplicator, ce serait cool, hein. Là, c'est XP plus, là. Ma bombe cerise qui fait pas assez le travail. Épinard. Je vais pas prendre le cœur vide, quand même. Si je fais passer, il se passe quoi? Hein? Ah oui, mais tu gagnes un bonus d'XP pour le prochain niveau, c'est ça? Passer, tu gagnes un peu d'XP. Bon, au moins, maintenant, je le saurai, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était un reroll. Trop con. Bah non, pas le tome vierge, du coup. Bon, bah, fais chier, je prends la bombe cerise level 8, et puis merde. Hein. Ban le cœur noir, il casse les couilles. J'aurais pu le ban. Il va oublier la flèche verte, oui. Bah non, je vais pas l'oublier. Juste, j'attends de ramasser le tome parce que lui, je vais l'oublier. Le pentagramme. Attends, mais il y avait pas un mob. Je crois qu'il y avait un énorme mob qui donnait un coffre là. Bugué ce jeu un peu. Pentagrammed. Mais du coup, j'ai pas eu de coffre quand tu... Coffre Pentagrammed. C'est réel, ça? Le pentagramme peut faire sauter le coffre. Mais c'est complètement con. Si je bannis le masque de pierre, là, je peux quand même le retrouver après, ou pas? Bah écoutez, c'est un réel plaisir. Hein. Je suis très content d'avoir perdu un coffre là. Le trèfle. Ah ouais, le trèfle, c'est pas si mal. Hein. Par contre, ma run pue la merde, hein. C'est terrible ça. Hein. Arrête avec le tome de merde hein. Orbe d'attraction. Ok. Bon, maintenant je peux prendre le tome et suivre la flèche verte. Hein. Prendre. Putain, mais je me fais défoncer! Je pourrais pas prendre la flèche verte en fait.
J'aime bien le tome quand même. Hein. Les cooldowns, c'est pratique, ça augmente bien ton DPS. Hein. Bon bah juste, je peux pas avancer vers la flèche verte, quoi. Orbe d'attraction, trèfle. Faut que je banne un truc, là. Oh, y'a un boss. Oh non, mais il va se faire pentagrammed. Oh, quoi que le pentagramme, il était y a pas si longtemps que ça, je crois. Non, s'il te plaît, le pentagramme pas, hein. Laisse-moi mon coffre. Je fais pas assez de dégâts pour tuer un boss. Oh, si, c'est bon. Let's go! Alors, on a eu quoi? Deux bibles, hein. On a eu de la merde en hein. Après, ça fait un gros boost, donc ça c'est cool. Mais... Le pentagramme. Ça fait un gros boost général, donc c'est cool. On apprécie, quoi. Ban rien, t'es full. C'est vrai que maintenant, j'ai plus d'intérêt à ban. J'aurais dû ban en early game, en fait. Hein ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Parce qu'il y en a plusieurs ! What the fuck, bro ? Oh, la flèche verte ! Y'a plus la flèche verte, c'est quoi ce truc ? Magic banger. Permanently allows to change music in stage selection. Je suis vraiment venu là pour ça. Et pourquoi je suis ralenti là? Putain. Je me suis fait baiser quoi. Je prends des vieux ralentissements, je sais pas pourquoi. What, what? Ah mais attends, mais il y a des trucs qui me tirent dessus là. Il y a des magiciennes. C'est elles qui me ralentissent, je crois. C'est nouveau, ça. Tome vierge, bible. Vas-y, je vais essayer de bibler un peu. On va essayer de bibler un max, hein, pour avoir une transformation. Parce que là, ça commence à puer du cul, par contre. Hein. T'as le build qui n'a vraiment aucun, mais aucun sens, quoi. Le pentagramme. Et y'a pas un délire comme quoi si je vais vers la droite, j'aurai le stone mask de gold. C'est sur cette map-là, je crois. Hein. Bon, là, il doit être à 10 km. Hein. T'as pas unlock la map. Non. Pas encore. Enfin, ça doit pas être la porte à côté. En plus, on arrive aux 13 minutes. Les 13 minutes de mémoire, c'était chaud. Si seulement on avait une map. Dommage, hein. J'ai pas de map, quoi. Le jeu, il a pas voulu m'en donner, en fait. Baguette de feu. Baguette de feu. Fais un effort, c'est tout droit. Bah là, j'y vais, hein. Je suis en route, là, hein. Je traverse la rue, là. Je vais chercher un emploi. Marre de chômer sur Vampire Survivor. Ah, lui, faut pas qu'il se fasse pentagrammed, par contre, hein. Sweet, sweet. Pentagrammed. Oh, oh, pentagrammed. Sweet, sweet. Ok, nice. On va voir la Bible. La Bible, elle est en perma, je crois. La Bible rouge, hein. Épinard, bistouri magique. Je vais améliorer le bistouri, ce serait peut-être temps. Hein. Cette scie circulaire, elle est bien. Hein.
Merci qu'il est con pour les 3 mois. Merci beaucoup, j'aime beaucoup ce pseudo. Mais qu'il est con. Vas-y, bistouri, hein. Il est où mon pentagramme, là? Skija, le pentagramme. Le pentagramme. Le pentagramme. Le guepistette. Non, mais on est entre nous, on peut parler, là. H. Est-ce que je vais prendre la hache ou est-ce que je vais prendre l'XP? J'ai des choses à dire, on est entre nous là. Vous êtes pas venus nombreux ce soir. On est entre nous, on n'est pas entre nous là. Épinard, hache. Chauve-souris, élite à gauche. On est trois. Bon bah ça va. On est deux ou trois, c'est ok. H, trèfle, couronne. Non, parce que moi j'ai des choses à dire hein, sur toute la clique des streamers là. Non, pas du tout. Attends. Qu'est-ce que je prends là? H, je pense. XP, hein, sinon c'est tôt. Hein. Merci Sean Ali pour les 9 mois. Red Ferds pour les 7 mois. Le sub a dormi le temps d'un petit GR20. Merci qu'il est con du coup. Et j'ai loupé Alixo. Allez, 6-0, la streak est bonne. Merci pour les 6 mois. Bah ouais, c'est plus long, c'est la plus longue, c'est avec toi. Merci Houl pour les 5 mois de Prime. Et Joris Bull pour les 20 mois. Non, mais parce que y en a, ils ont mentionné Edmund, ils ont dit, je sais pas, il a mis un dessin. Il y en a ceux qui lui ont dit, est-ce que c'est le dessin de Shisheyu? Et du coup, moi, il est venu me voir en DM en mode, désolé. Du coup, j'ai l'honneur de vous dire que c'est en cours. C'est re en cours. Moi, je lui ai dit, t'inquiète. Hein. Je lui ai dit, c'est plus le chat, ils sont plus hype que moi. Hein. Je lui ai dit, t'inquiète, prends soin de toi, prends ton temps. Moi, je l'aurai quand je l'aurai. Hein. Mais voilà, c'est en cours. Je peux vous dire, c'est en cours. C'est en cours, c'est en cours. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et je sais pas pourquoi tout d'un coup je fais des dégâts comme jamais en fait. C'est la Bible qui faisait. Hein? C'est grâce au chat que tu vas l'avoir. Putain, c'est grâce à un harceleur en. Sous un tweet. Mais d'ailleurs, c'est trop marrant, c'est que. Donc moi je me réveille et je vois ça sur mon téléphone en mode Edmund, un DM. Et je vois aussi des mentions sur Twitter. Et la mention, donc c'était quelqu'un qui disait « Est-ce que c'est le dessin de Shisheyu ?» Et en réponse en dessous de ça, il y a Edmund qui met « Oh oh !» Ah merde. Ah oui. Du coup, j'ai vu ça dans ce sens-là. Je t'envoie « Oh merde, trop drôle. » Est-ce que j'ai un level 8, là? Oh bah la baguette de feu, pile au bon moment. Je te fais pas... Non. C'est bon, ça passe. J'ai beaucoup trop overreact là-dessus. Mais d'un côté, j'ai failli ne pas avoir ce coffre alors que je venais d'avoir la baguette de feu. Au bout d'un moment, faut pas trop se foutre de ma gueule, quoi. J'ai vu ma vie défiler devant cette baguette de feu. Quand est-ce qu'il arrive, le stone mask, là? Le pentagramme. Ah, j'ai oublié d'enlever les dégâts. Je vous avais promis que j'enlevais les dégâts. Ah, dans 15 minutes, j'enlève les dégâts. Le pentagramme. Je peux retirer les dégâts depuis le menu pause. Non mais attends, ça voudrait dire que là faut que je fasse pause, que j'aille dans les options, que je désactive le truc et ensuite que je relance la game alors que je peux juste avancer vers la droite et choper de l'XP, genre le pentagramme. Mec, c'est chaud un peu hein. Le moindre effort, tu connais ou pas? Mais non, mais... Oh oui! Non! Il y a un coffre à droite. Bon, ben, je prends le pentagramme. Ah, ben, ça a marché cette fois. Du coup, là, je vais avoir le pentagramme, là.
Let's go, le pentagramme amélioré, qu'est-ce qu'il fait? Évolution du pentagramme génère des gemmes supplémentaires, les rassemble toutes. C'est quoi ce bruit? Hein? C'est un générateur d'XP, genre? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Il se passe trop de choses. Hein. Arrête, je vais vomir. Pourquoi j'ai eu autant d'XP là? J'ai ramassé une orbe, je crois. Je pense que cette game est win, hein. C'est le pentagramme V2 qui fait orbe auto. Ah mais du coup c'est trop fort en fait, faut absolument jouer ça, non? Oh! J'ai trouvé. C'est imperdable, hein. Il fait pop de l'XP bonus, il rassemble les trucs. C'est incroyable. Hein. Continue encore à droite. Oh. Pas trop quand même. Ouais, attends, je prends des dégâts là. Mais c'est un bordel mon build là. Il fait aussi des déclarations d'impôts. Quel plaisir. Pam pam pam. Oh, j'avais pas ça. Qu'est-ce que c'est? Évolution de la hache traverse les ennemis. Ah oui, je l'avais déjà. Mais j'avais pas la hache level 8 tout à l'heure. Oh, une run tout en douceur, quoi. Ah merde, j'ai eu une orbe, mais du coup, elle m'a donné 0 XP. Trop bien. Donc là, mon objectif, c'est d'aller au level 100, c'est ça? Tu peux FK, c'est win. Bon, c'est win depuis longtemps, hein, mais... C'est vrai que si j'ai FK, je ramasse pas l'XP automatiquement sur la FK. Ah bah si. Pardon. J'ai oublié. Non mais c'est nouveau pour moi. Merci à Caneo pour les 4 mois de Prime. Hein. Bonsoir, je passe renouveler l'abonnement, merci pour le travail, la bise à Louise, Roscoe, la commu, vous êtes tous beaux, merci Gadjo, la crapule, Dark Frog, 70 mois qu'il ne dort pas, commence à fatiguer le boug. Merci vraiment Dark Frog. Mais non mais c'est complètement con. Du coup en fait maintenant toute game tu l'as fait comme ça quoi. Merci Shonali pour les 9 mois de prime. Prends pas la confiance. Bah j'ai déjà gagné la bibliothèque avec moins que ça, j'ai l'impression, non? Et du coup tu peux enlever les damage. Attends, je t'ai déjà expliqué. Dans 10 minutes j'enlève les damage. T'as pas ajouté une curse depuis, j'ai ajouté une curse, ouais.
Bouip. Et j'arrive à taper un 5. J'arrive à taper un coffre x5. Alors que j'ai plus rien à choper à part des golds, quoi. Let's go. Ah oui, les golds. 820 golds plus les sacs. Après, les golds, c'est bien. Ah bah oui, oui, bien sûr. Moi, j'adore l'argent. Hein. Ah, pardon, dans le jeu. Oui, bah, c'est bien aussi, ouais. Mais le truc, apparemment, il reste à droite. C'est pas clair. Genre, je l'aurais pas débloqué, quoi. On va essayer d'aller voir, mais je pense que c'est mort. Do it. Y'a trop de trucs à afficher, la qualité du stream a du mal ou c'est chez moi? Je pense que c'est chez toi, tu devrais vérifier ta connexion internet, je pense qu'elle est un peu nulle. Chez moi c'est ultra propre là. Pareil, enfin c'est seamless. Aucun drop de qualité. Si vous avez l'impression de voir une bouillie de pixels, c'est parce que vous n'avez pas une connexion assez rapide. Là vous allez me dire j'ai la fibre, moi je vais vous dire que voilà, j'ai mon tonton, il vit au Japon, il a la fibre 2. Et la fibre 2, avec la fibre 2, t'as pas le souci de pixelisation. Et là j'ai eu un tout seul, fais chier. Mais apparemment, je fais moins de kills si je bouge pas. Vas-y, tu as eu time out pour les 9 mois de T2 et Kadage pour les 41 mois. Arrête de bouger, ça pixelise moins. Regardez, je vous libère. Regardez. Oh. Oh, c'est dur. Oh. Oh là là. Oh. Ouh. C'était dur. Hein. C'est pour vous que je l'ai fait, hein. On claque le prime pour fêter mon licenciement, le diplôme. Merci Commandou pour les 6 mois de prime, enfin, c'est moins inquiétant le diplôme. Merci Hugoas pour les 7 mois aussi. T'as déjà joué à One Way héroïque? Non. Le pire c'est que ça change pas des masses. Bah je le remets du coup. Les effets clignotants, une pensée aux épileptiques. Merci Nexogos pour le prime. Ça a rien changé. Ce sera mieux pour la next, ouais, c'est parce que voilà, le jeu a pas encore eu le temps de se réhabituer là. C'est mon OBS 37.8 qui a pas eu le temps de. Ah oui, le fameux 24 minutes, on s'en rappelle. Oh là là! C'est trop marrant quand j'avance.
Bon, on a vu la fin d'Obi-Wan, du coup, bon bah... J'ai bien aimé au global. Même si, évidemment, sur le scénario, il y a plein de problèmes. J'irai pas plus loin. J'ai pas envie de vous spoil. J'ai bien aimé au global. Juste, j'aurais préféré que Han Solo soit pas un film de merde. Comme ça, ça aurait été un film et ça aurait été mieux. Il y aurait eu moins besoin de broder avec du scénar qui passe pas, quoi. C'est quoi ce boss? Attends, je vais me faire one shot là. La grande sorcière là, qu'est-ce que c'est que ça? Eh oh, et pourquoi le pentagramme ça lui a rien fait à la sorcière là? Clone Wars, c'est trop bien. Dur le jeu vidéo de nos jours. Ouais, c'est pas mal en vrai. Une fois que t'as ton setup là, tu te mets comme ça. Et hop, t'as rien à faire. GG, Toximox là. Le jeu qui est devenu un middle game. Vampire Clicker. Ah mais j'ai passé le level 100 depuis longtemps en fait. Je veux voir les stats des bombes cerises à la fin PTDR. Bah elles font plus de dégâts parce que les ennemis sont morts avant que les bombes cerises ne fassent quoi que ce soit, j'ai l'impression. C'est dommage, mais... Allez, hop! Encore un x5! Mais par pitié! Merci beaucoup, Tony Timeout, qui a déclenché un x5! Merci beaucoup, Tony Timeout, pour les 10 subs. Drazi pour les 15 mois de Prime. Tanguy pour les 4 mois, 480p, c'est stylé. Très stylé ce qu'on est en train de voir à l'écran là. Un incrémental assez avancé. Non. Je ne testerai pas d'incrémental. Depuis Poké Clicker, c'est fini. En plus, j'ai la crown. Ah bah oui, j'ai la crown parce que j'ai le pentagramme. Le P-word. Oh, c'est bon, Poké Clicker, la phase est terminée. On peut officiellement parler de phase terminée. Comme prévu, ça aura duré un bon mois, quoi. Arrête, je vais aller chercher mon coffre. C'est donc comme ça que SPP voit le stream. Merci Yotol pour les 32 mois de Prime. Et ouais, on peut pas faire mieux. Hein. Même si je mettais le stream en 20 000 kbps, ça changerait pas grand chose en fait. J'ai aucune idée d'à quoi ça ressemble. Attendez, je lance mon stream sur téléphone. Histoire de pouvoir... avoir la vision que vous avez. What? Mais attendez, hein, vous avez pas connu Twitch il y a 8 ans, hein. Il y a une époque où il y en a, ils jouaient à Isaac et ça envoyait ça comme ça, hein. Ceux qui avaient pas de connexion, pas de bonne connexion internet, là. Ça streamait en 400 kbps. T'inquiète que j'en ai vu des streams Isaac comme ça, hein. C'est largement visible. Hein. Tant que le son n'est pas dénaturé, en vrai, je vois bien, hein. De toute façon, qu'est-ce que ça vous intéresse, l'écran, là? Qu'est-ce qui se passe? Alors après, est-ce que je suis pas assez flouté pour faire genre le mec flouté dans... Attends. Allô? Allô?
Sortir. Les jeux comme Vampire Survivor occupent tout mon temps. Entre la pause déjeuner, le matin, avant de me coucher, j'ai perdu tout ce que j'avais à cause de ces jeux de merde. Rendez-moi mon temps par pitié. Qu'est-ce qu'il y a ? Coffre à gauche. Mais j'arrive pas à tuer les ennemis, what the fuck, bro ? Mais bute-les, là ! Oh, wow, wow ! Ah, bien, ça. Ah, le 29 minutes, il reste sévère dans tous les cas, hein. La petite run à 10 000 gold. Solide. Mais la mort, elle va me fumer là, non ? $500 pièces bonus. J'ai trouvé le Magic Banger. J'atteins le niveau 100 avec Yata Cavallo. Atteigné au niveau 40 dans la bibliothèque. L'usine laitière, j'ai débloqué. Survie 20 minutes avec au moins 10% de malédiction. Débloqué Lama. J'ai fait évoluer le pentagramme. Rembourser les power-up. Ah, j'avoue, rembourser là. Oh, wow, wow. Attends, je vais débloquer Lama. Gagne 5% de puissance, de vitesse déplacement et de malédiction tous les 10 niveaux. Oh, il a l'air dur, lui. Il commence avec la hache. La hache, c'est nul. Faut que je débloque tout le monde. Durée et puissance de tir à 40%. Non, mais attends, la traduction, elle est nulle à chier. Qu'est-ce que c'est que cette traduction Google là ? Nique sa mère. Permanente 40% duration and speed, moins 40% move speed. Ok. Croquignoni starts with un revival. Gain one more revival at level 33. Ok. Et Christine. Start with an extra level. Et elle start avec le pentagramme. Ok, donc j'ai débloqué les persos. Maintenant, on peut prendre genre l'armure. Ah non, mais attends, il faut que je prenne le reroll. J'ai acheté le reroll. Il me faut de l'XP aussi. Merde. Ah, je pouvais prendre de la curse aussi, fait chier. La luck, je l'ai pas au max. Faudrait que je rembourse les power-up, mais ça m'emmerde. Je rembourse rien, moi. Vas-y, je vais jouer Lama. Oh, l'usine laitière. C'est quoi ça? Ah. Oh, la musique originale. Et pourquoi je peux pas accéder en dessous? Oh, il y a les versions, comment ça s'appelle? Vaporwave. La version rapide et la version Vaporwave. Oh, le cauchemar. Non, bon, on va tenter la musique normale. Hein. C'est quoi? C'est l'usine laitière que je viens de débloquer? Putain, j'arrive pas à me déplacer dans les menus. C'est vraiment, lui est dégueulasse, quoi. Dairy plant. Ah, il y a un truc vert en bas. Enfin de la nouveauté, quoi. La crosse. Le magic wand. Attends, mais là, du coup, il me faut le candélabre. Moi, je vais rejouer le pentagramme, hein. Je suis un fou. Mais... J'en ai rien à foutre. Hein. Ah, mais les ennemis ont l'air trop relous. Merci Pixel pour les 19 mois, des bisous. Tu peux rembourser tes power-up, ouais, je le sais. Bah, je l'ai dit. La map la plus dure. Ça, la map la plus dure. C'est ridicule. Map ridicule, celle-là. Je la connais pas. Je ne connais pas. Magic Wand. Ah, mais le Banish, en vrai... Vas-y, je vais Banish Ebony Wing.
trop facile ce niveau en vrai. Alors après, Jean-Michel Léache, il a pas l'air fou en vrai. Hein. Oula, 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 oula! Ça devient un jeu où faut esquiver des trucs, quoi. Putain, mais je fais 0 XP, au secours! Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Rune tracée. Ah bah putain, enfin une arme, quoi. J'avais besoin d'une arme. Spellbinder, Spinac. Reroll. J'ai le droit qu'à un seul reroll. De toute la game, genre. De toute la game, j'ai un reroll. C'est vraiment ça le bail. Backseat autorisé en backseat on. Qu'est-ce que c'est que ça? Wow, 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 wow! Elle est trop bien cette map. Crown. Oh merde, je peux pas me déplacer là. Ok. Bah écoutez, on va faire objectif flèche verte. Hein, et ensuite on verra quoi. Que honnêtement, c'est en train de se passer un peu mal quoi. Je vais prendre la phase. Non, zéro phase. Aucune phase. Foutu pour foutu, la flèche verte. Non mais exactement. Le candélabre. Mais c'est quoi ce truc? Non, non, non. Oh, je suis dans la salsa du démon, je gagne 0 XP. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, parfait. Parfait au meilleur moment. Ah oui, je suis en léger retard, à l'XP en fait. Hein. Encore la hache, oh non. Le patagramme, le duplicator. Vas-y, ça level up quoi le duplicator? Ça level up le ring de d'électricité. Oh bien ça. Profitez pour prendre un petit peu d'XP. Je galère à XP sur cette map. En même temps, j'ai pris les pires armes, hein, vraiment. Rune Tracer. Il y avait une arme comme ça dans Metal Slug où il faisait machin Tracer. C'était dans Metal Slug 3. Je... Faut vous parler en Morse code, là. Qu'est-ce qui vous arrive? Faut pas marcher sur les plaques d'égout. Ah, c'est les plaques d'égout, ok. Enemy Chaser, c'est ça. C'était pas Tracer, c'était Chaser, en fait, vous avez raison. Oh oui, de la vie. Mais des plaques d'égout, il y en a partout. Littéralement dégoûté. Rune Tracer, Enemy Chaser. Est-ce que j'ai vu Miss Marvel? Non. Après, les séries Disney, ils en sortent un par semaine. Donc bon, au pire, on regardera quand il y en aura plus. Actuellement, on est dans Suits. On a fini Obi-Wan aujourd'hui. Il y a... comment ça s'appelle? Attends, qu'est-ce que c'est ça? Il y avait une pompe à... pompe à pénis, enfin je veux dire un... pompe à gaz. Là, là il y a Umbrella Academy saison 3 qui est sorti aujourd'hui, donc je pense qu'on va se concentrer là-dessus. Vu qu'on adore Umbrella Academy. Si, j'aime bien regarder les séries un épisode par semaine, mais bon, la Miss Marvel, on l'attendait pas spécialement, donc c'est pas... C'est pas voilà quoi. Mais genre pour Better Call Saul, je préfère que ce soit un par semaine. Hein.
Clairement. Ouais, là, je vois plus les dégâts, là. Pam, pam, pam. Rune Tracer. Merci, Carosine, pour les 5 mois de prime. Hein. Merci beaucoup. Ouais, je vais prendre la hache. Hein. Au pire, je vais essayer de choper une hache level 8. Hein. Oh, j'approche de la flèche verte, là. Oh, elle est juste à côté. Let's go, let's go, let's go, go. Oh, me dites pas que c'est la fameuse map. Hein. Milky Way, permanently enable the map in the pause menu. Ah bah voilà. Quoi ? Nick ! Vas-y, mais je veux pas rejouer lui, c'est une merde. C'est quoi qu'a ton power up ? Luck. Il est nul, lui. Christine. Qui c'est que j'ai envie de jouer là-dedans? Un revival. Un mort revival. Do Mario. 40% duration and speed. Moins 40% move speed. Vas-y, je vais jouer le vieux, là. Alors, faire la map. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce bordel hein? Ah. Oh papy, tu tires quand tu veux là. Je vais prendre la crosse, je pense. C'est le pire perso du jeu. Oh non, non. Dites pas ça. Donc là, il y a un move speed. Attends, mais il y a un truc en bas à droite. Je sais pas ce que c'est, moi. Il y a un candélabre en bas à droite et un point d'interrogation. Une armure en haut à droite. L'armure, c'était bon pour quoi? C'était pour le Rune Tracer, justement, non? Oh, mais il se déplace pas assez vite, papy, là. Le meilleur, si bien opti. S'il est bien opti, lui, c'est le meilleur de tous. Attractor. Les brasseurs. Ah, Clover, let's go. Désolé, hein. Merci beaucoup, Pumchak. Merci pour les 10 subs. Des gros bisous. Merci énormément. Si vous avez reçu un sub, n'hésitez pas à remercier Pumchak. Meet me. Grand G, merci pour les 3 mois de prime. C'est le meilleur en grid mode. Lui ? Ah bah clairement. Mais là, j'arrive demain, là. Ah oui, oui, j'arrive demain. Ok, d'accord. Si j'essaye d'aller là-bas, c'est foutu, quoi. Tu vois, le move speed en bas à gauche suit le point. Non, mais non, mais je préfère choper un move speed sur le chemin en random XP que là. Hein. C'est toi qui parlais d'une moto, c'est le moment. Mais équipe ta moto, Shishayu, qu'est-ce que tu branles? Il est con, c'est pas possible. Bon, au moins, je fais des dégâts comparé à tout à l'heure. C'est pas la même run, quoi. C'est un truc de fou à quel point il va pas vite, quoi. Y a pas des orbes sur le chemin? Y a une orbe pas loin, elle pourrait m'aider. Je pourrais aller au middle sur l'orbe. Et ensuite me déplacer vers le point d'intérêt. Je sais pas ce que fait Evolve la move speed, peut-être un truc que j'ai pas débloqué. Par contre, c'est con, il m'indique pas la boule bleue. Ah si, elle est à gauche là.
C'est un tracteur ce perso. Il est plutôt jeune quoi, c'est... J'ai pas débloqué l'arme pour les ailes. Ah, je vais me régaler là. Évidemment, il y avait un piège. Évidemment, il y avait un piège. C'est tout ? Non, ça. La crown, c'était le pentagramme. La tractor, je sais ce qui marche avec la tractor ou pas. Oh ! La Santa Water, la tractor. Je prends les wings, on est d'accord. Hein. Au bout d'un moment, il est quand même pas jouable, papy, sans les wings. Petite wings de poulet en plus, là. Surcoté les wings de poulet. Je préfère les tenders, mais. Wings de poulet, faut quand même avouer que. C'est plutôt reconnu comme quelque chose de bon, quoi. 10% de zéro, ça fait pas toujours zéro. Eh, je vais 10% plus vite là, je suis désolé. Mais... Qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir un chariot de la mine? Moi je préfère les tenders parce que les os ça m'emmerde en fait. Hey papy Mougeot, on avance papy. Faut pas manger les os dans les wings. Bon, à toi de voir quoi. On rappelle qu'il y a un mec qui a mangé un avion, donc bon. Il y a bien un mec qui mangeait des assiettes, des chaînes de vélo et des avions. Donc si t'as vraiment envie de manger les os, tu peux manger les os. Hein. C'est à toi de voir quoi. Oh, le NFT inutile. L'équivalent d'un avion en métal. Ouais, il a bouffé un avion quoi. C'est bon. Lui enlève pas du crédit quand même, s'il te plaît. Le mec qui vient pinailler, il a bouffé un avion. C'est quoi le cercueil? Oh non, mais... Putain, mais les pranks à la con, quoi. Je me fais prankster, quoi. Allez, papy. La croix. Je voulais pas la croix, papy. Ah bah apparemment je peux tuer les ennemis quand même. Ok, j'ai level up. J'ai rien compris au cercueil là. J'espère que c'est clair. Je t'ai bloqué un perso. Thank you, Domario, but the vampire is in another coffin. Envie de péter les plombs. Poppy Pecorina. Ok. J'ai la ref. C'était une ref à Zelda. Bon, en vrai, le candélabre, je m'en bats les couilles, non? Je vais plutôt revenir sur les boules bleues, à mon avis. On va se faire un trajet vers la gauche, là. Papy vers la gauche, bon, c'est rare. Rune Tracer!
Merci Alphénix pour les 49 mois. Merci, merci. J'ai loupé Zerod, je crois, pour les 7 mois aussi. OMG, 20 minutes until down. Merci pour les 4 mois, notre DT. Oh non, non, j'ai déclenché plein de pièges. Quel abruti. Attends, il y en a un tout bleu, là. Lui, 100%, il donne un truc spécial. Hein. Il donne un coffre. Hein. Et je vais le fumer contre le mur. Ah non, mais lui, il a le droit de passer par là, mais pas moi, quoi. Rune Tracer. Non, mais j'ai toujours pas le truc pour améliorer le Rune Tracer, par contre, non. C'est l'armor, justement. Lightning Rod, évolution avec le duplicateur. Il me faut l'armor, quoi. Là, j'espère que je l'ai pas loupé, l'armor. Je pense pas, hein. Je pense avoir été solide sur les appuis. Oui, il y a une armure sur la map, mais bon. Rune Tracer. J'ai pas le Spellbinder non plus pour la Bible, qui est bientôt level max. Il me le faut absolument. Sinon, ce que je fais, c'est que je vais chercher de la move speed et ensuite je me déplace, quoi. Attends, attends, là. Qu'est-ce qui est en train de se passer, là? Les squelettes verts, là, c'est exactement le sprite des squelettes verts dans Castlevania, là. Les squelettes verts avec les deux dagues, là. Hop, 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 là. Les ayants droit. Je vois pas de quoi tu parles. Ouais, ouais. Attends, là, il y a réutilisation des assets, là. Santa Water, il l'a fallu. Normalement, ils ont des tonfas, mais là, ils ont des petites dagues. Hein. Pas vu, pas pris. Hein. Bon, de toute façon, Konami, ils sont occupés avec les NFT. Hein. Donc à dire que c'est un hommage. Donc à dire qu'ils veulent faire un NFT des squelettes verts. Hein. Konami sera grave emballé par le projet. Ah, mais attends, il y a une boule bleue par là. Oula, 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 bah oui, mais j'ai pas de speed. Oula, 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 oula. Ah bah non. Quelle brasse. Ouais, bah je m'attendais pas à ça, hein. Sorry. Elle est où la boule? Ah. Lightning. King Bible en 1. Je vais chercher la move speed. Faisons comme ça. Je commence à aller un peu plus vite quand même. Ah, ce qui fait chier, c'est que j'ai pas l'amélioration de la Bible. Enfin, j'ai pas le Spellbinder, sinon j'aurais pu avoir une Bible améliorée, ce qui m'aurait remis dans la game un peu là. Il y a plein de coffres sur cette map, what the fuck? Pam pam pam. Bah, je prends, hein, les coffres, je prends, hein, pas de soucis. Hein. Je me suis tellement fait phaser par les hommes bêtes là, ça dégoûte. Oh là là, oh là. Oh bah si j'avais pas de vitesse là, j'étais mort en fait. Hein. Grosse ambiance. Je comprends mieux pourquoi il y a des orbes obligatoires sur la map.
Mais oui, mon spawn dessus, parce que oui, j'avais oublié que tout était protégé par... Les boules, elles sont pas protégées par des ennemis, mais tout le reste est protégé par des ennemis sur cette map à la con. Putain. Voilà, j'ai gagné 2 balles, là. J'ai gagné 2 balles, quoi. Legit, gagné 2 balles. Je vais même pas acheter Poppy. Bon, papy, il est pas fou, hein. Christine. On se fait une petite der avec Christine. Oh, la vitesse de Christine! Oh là là! Il y a une méga orbe bleue en haut à gauche, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air fou. Moi, je pense que je vais aller chercher l'armure. Alors, par contre, Christine, elle a v'là la vitesse, mais pue la merde sur le reste. Hein. Ah, c'est une attractorbe! Putain, mais oui, je suis con. C'est un passif attractorbe, c'est vrai que ça se ressemble. Vas-y, redonne-moi le Rune Tracer, là, tu vois, on va rigoler. Là. Magic Wand, King Bible. Vas-y, King Bible, c'est très bien aussi, t'inquiète. Ou sinon, en effet, je prends 5 passifs. Enfin, je prends tous les passifs possibles et après, je vais tout chercher, quoi. Mais il me faut du dégât aussi, ça le problème. J'ai envie de reroll. Rune Tracer! Je le sais déjà grâce à la bibliothèque, le coup de pouvoir ramasser les objets en plus. Le problème, c'est que tous mes dégâts sont random, là. C'est ça qui est dur. C'est dur pour XP. Crown pour le pentagramme. Faut que je me remplisse de passifs. Moi, je prends pas Magic Wand. J'en veux pas. Je veux pas de la Magic Wand. Là, tout ce qu'il me faut, c'est de l'XP, là. Knife King Bible. Je pense que si j'ai l'occasion de monter le pentagramme le plus vite possible, il faut le faire. Hein. Tout pentagramme pris maintenant est bon pour XP après, en fait. Hein. C'est le meilleur truc, le pentagramme. Hein. Attractorb. Le problème, c'est que l'attractorb, il y en a une sur la map, quoi. Ouais, c'est pas grave. Ah, c'est vrai qu'avec le pentagramme, c'est nul, l'attractorb. Il est vrai, il est vrai. Le pentagramme. Après, ça permet d'avoir une holy water en amélioré, hein. Si jamais. Hein, rien ne vaut l'original quand même. Magic Survival sur mobile. J'ai pas joué. Je saurais pas dire si rien ne vaut l'original. J'ai la crosse. Bah, il me faudra le clover alors. Dans tous les cas. Rune Tracer. Le pentagramme, il proc toutes les N secondes, je crois, toutes les 30 secondes. Tu vois. C'est pas souvent. Ça va, mon chien, ça va mieux? T'as encore envie de vomir? Pauvre toutou qui a vomi, quoi. Knife? Putain, y'a rien qui m'intéresse, là. Hein. Je prends de la crown. Oh, un pentagramme, nice.
Ah par contre, attends, le pentagramme, il m'a fait disparaître l'XP qu'il y avait à l'écran aussi, là. Nique sa mère, un peu. Hein. L'armure, j'irai la prendre sur la map, ce sera plus simple. Je sais pas si je préférais le coffre. Hein. Y'a rien qui m'intéresse là. Envie de bannir un truc. Je bannis Garlic. J'avais besoin de rien de tout ça. C'est terrible. Spinac, Pichoun, Pentagramme. Il me reste deux passifs à trouver. Putain, mais les passifs, ils veulent pas tomber. Hein. Ils sont où les Empty Tom? Ils sont où les Spellbinder, tout ça, là? Ça veut pas tomber, quoi. Impossible. Hein. Ah, 20 minutes Until Dawn, il est vraiment bien, le jeu. Hein. Je comprends que vous ayez pris la phase. Hein. C'est le plus beau, hein, Until Dawn. Ah, un candélabre. Hein. Mais il y a un candélabre sur la map aussi. Ah, impossible d'avoir ce que je veux, quoi. Au pire, je craque et je ramasse tout. Hein. Ah, il est en early aussi, Until Dawn. J'arrive pas loin de l'armure, là, je pense. Ouais, je suis juste à côté. Ça fait mal, ça. Mais arrête, putain, mais je prends cher de fou, en fait. Les boules font trop trop mal. Hein. Bah super mon coffre. Très très content de ce qui vient de se passer là. En plus j'XP pas du coup. Je fais zéro dégâts, j'arrive même pas à tuer un ennemi. Je sais que c'est connerie. Fire Wand. Non mais je vais prendre un pentagramme. Je pense. Sorry not sorry. Merci Cybercraft pour les 15 mois. J'arrive juste plus à tuer des ennemis quoi. J'ai pas de dégâts. Mes dégâts c'est le pentagramme. Sauf que bah du coup, qui dit pentagramme dit no XP quoi. Mais comment ça se fait? Attends, si je génère de l'XP, oh, je comprends plus rien. Je me suis mis dans le coin. Putain, c'est loose! Oh, puis là, ça va être protégé par des merdes. Bah oui, voilà. Classique. Le pentagramme, c'est quand tu veux. Hein. Je génère pas d'XP, j'ai envie de péter les plombs. Putain, ils ont le temps de me toucher ces bâtards. Le poulet, il y avait un poulet? Où ça?
Ah oui, poulet là. Oh mais il est inramassable, il y a trop de gens. Oh, c'est la merde, et je loot des trucs pourris. Oh non, il y a la mort, mais... Hein? Tu sais que ces conneries? Le pentagramme. Il me reste un niveau de pentagramme et arriver au level 10. Ça peut le faire, hein. Enfin, arriver à 10 minutes, quoi. Là, les squelettes ont l'air de prendre un peu plus de dégâts vu que j'ai eu le spinac. Je me suis remis quasiment full life, tout ça pour faire de la merde juste après. Je sais pas où est passée la mort, il y avait la mort il y a pas longtemps. Hein. Il y avait la mort, il y a plus la mort. En tout cas, mon coffre est arrivé. Ok. Il me faut le pentagramme. Mais il me faut un level up pentagramme, pas à côté du coffre. Sinon, ça va me mettre dedans, cette histoire. S'il te plaît, un pentagramme, un pentagramme, un pentagramme! Oh, putain! Oh oui, si, c'est bon! Le dream! Let's go. En plus un x3. C'est bon, on est de retour dans la game. We back in the game. Ça va attirer tout l'XP de l'écran. Voilà, merci bien, Santa Water. Allez. On peut remonter. Rune Tracer. C'est parti pour la remontada. Du coup, là, le but, ce serait d'aller chercher les wings en bas à gauche et le candélabre, pourquoi pas. Mais avant le candélabre, il me faudrait une autre... Oui, il me faudrait le Empty Tom. Le Empty Tom, faut qu'il tombe, quoi. Il me faut Bracer avant, pourquoi? Une araignée immense qui est montée sur mon lit en essayant de la tuer, j'ai perdu de vue et je suis en panique, je fais quoi? Tu brûles ta maison. Je vois pas de meilleure solution, je suis désolé. Candélabre, non, Holoheart non plus, putain. Spellbinder pour ta Bible. Bah Spellbinder pour ma Bible ou Empty Tom pour mon pentagramme. Enfin les deux sont envisageables je pense. Juste qu'il faut que ça tombe quoi. Plus vite, plus vite! Et alors une Tracer. Putain, tout pue. À deux doigts de prendre le Pumaro là. Mais... Ah! Ah! Ou au pire, je prends les Bracers en effet.
Non mais les bracers, on s'en fout. C'est pas ça qu'il me faut. Je vais prendre un skip ici. C'est la merde. Spellbinder. Ok. Il y a un gigot sur la map. C'est tellement loose. Putain, on a mis trop de temps à le pentagramme ou quoi. C'était quoi? C'était à combien de minutes? 1500 gold, c'est nul. Tut. 1500 gold, je peux même pas acheter Poppy. Je peux même pas acheter Poppy, quoi. Je devrais investir dans le revive des power-up. Hein? Merci Alvaroué pour les 42 mois de prime. Des gros bisous. Oh! Putain, j'ai pas de chance, quoi. La Golden Dare. D'air. Ah oui, reset tes power up, achète du plus cher au moins cher. Oh non, on fait chier ça. On se fait chier avec ça. Moi je vais acheter Poppy. Mortatio. Non mais faut que je joue les nouveaux. J'ai déjà joué Mortatio à l'époque. Il est où? Il est là Mortatio. On a testé Domario et Christine. On a testé Lamar. Maintenant il faut tester Croqui. Après Croqui il commence avec un truc pourri quoi. Song of Mana. C'est quoi ces nouvelles musiques là? La petite der. La vraie der. Non, pas le pentagramme, j'en ai ras le cul du pentagramme. Je veux plus le voir. Il m'a saoulé. Banne le pentagramme. Ah, je suis à deux doigts de banne le pentagramme en vrai. Hein. No joke. Merci à Delonès pour les 14 mois. Hop hop hop, le prime a dormi un jour de trop. Et haha pour les 4 mois de prime aussi. Merci beaucoup. Je suis pentagrammophobe, bien sûr. Et voilà les petits tomes qui tombent maintenant, mais nique-toi. Si seulement j'avais eu ça à la run d'avant, quoi. Oh là là, oh là, oh là là! En effet, faut pas marcher sur les plaques d'égout, c'est plan huc. C'est dur d'XP sur cette map, je trouve. Le pentagramme. Ça dégage. Je veux plus en entendre parler. Mais putain, mais... Les hommes lézards, là, ils sont intuables. J'avais call que le pentagramme, j'allais le ban, hein. Attractorb. Bah du coup là ça a du sens l'attractorb, mais je sais plus ce qu'elle augmente. Rien à vrai dire. Rune Tracer, c'est bien ça. Santa Water. Oui mais en plus l'orbe elle est à gauche. C'est vrai. Faudrait que j'arrive à avoir le Dream. Mais j'ai jamais de passif, c'est un truc de fou. Il me faudrait le Dream où en fait j'arrive à trouver 6 passifs qui ne sont pas des passifs présents sur la minimap. Ce serait incroyable, mais j'y arriverai pas je pense. Stone Mask. Ah ça c'est pas présent sur la map. Hein. C'est à chier mais bon, vraiment c'est pas à chier. Hein.
c'est la course au passif. Candelab, il y en a un sur la map. Wings aussi. Garlic, on s'en bat les couilles. Ce sera une crosse. Candélabre, Nick, ce sera une crosse. Après la crosse, je peux déjà la level up. Hein. Si jamais je la monte level 9 là. Je ramasse un coffre à 10 minutes et c'est bon. J'ai mon clover. Magic Wand, Rune Tracer. Rune Tracer. Arrête, arrête. Je peux prendre le Pumarola, hein. Pumarola, c'est Garlic. Ouais, je pourrais jouer Garlic, en vrai, dans le build, hein. Si jamais. C'est pas improbable, hein. C'est la merde. Le truc des méduses, là, hein, c'est vraiment horrible. Hein. Sur cette map, pas besoin d'attendre 10 minutes. Ah bon? Faut attendre combien, là? Spellbinder. Hein. On pourra jouer la Bible, donc. Rune Tracer, Cross. Il veut pas canner, lui? Oh oui, un petit 3, ça met bien, ça met très très bien. Deux clover, une cross. Tu peux evolve dès la minute 1. Ah. Comment ça se fait qu'il y a des maps où tu peux pas evolve avant 10 minutes et il y a genre celle-là où tu peux, enfin c'est pas clair. Hein. Point de vue game design. C'est pas clair. Hein. Garlic. C'est une info de chat, ça. Backseat on, c'est les meilleures infos de chat. Hein. Envie de garlic bread, putain moi aussi. Ouais. Attends. Spellbinder, Magic Wand, Lightning Ring. Fallait lire le lore. Le lore, je le connais. Hein. Il me faudrait le Spinach. Attends, mais le jeu il me dit qu'il y a un gigot là. Il est où le gigot bien gigoté? Ah, il est là. Lightning Ring, c'est trop bien. Tout à l'heure, on a eu... Oh, bien ça. Santa Water, c'est avec l'Attractorb qu'on aura plus tard. Ça se joue. Hein. Attractorb, on l'aura tout à l'heure. Du coup, je vais prendre la Cross. Épinard, valeur sûre, clairement. J'adore les épinards, c'est trop bon. Toujours une valeur sûre. Toujours une réussite, un plat avec des épinards, en fait. C'est toujours trop bon. C'est comme l'aubergine. Hein. Le pinard cru en salade, ouais pareil. Ouais. Armor, non. Garlic, bof. Lightning, oui. Je me fais pranker. Je peux pas le tuer, lui. Oh, 1x3. Putain, j'ai pas eu de cross. Par contre, ça m'a bien up mon stuff, donc c'est cool. x3, c'est toujours un plaisir. C'est déjà le deuxième, hein, quand on joue Clover. Le but, c'est de survivre ou tout clean. Survivre. Vampire, Survivors. Ok, cross, ça je prends. Donc maintenant, il me faut un coffre. Putain, j'arrive pas à loot un Spinach. Hein. Il me faudrait genre Spinach et Empty Tom.
C'est pas Vampire Cleaner, exactement. Au début, je trouvais les épinards horribles. Puis mon chef m'a dit que c'était normal. Les épinards à l'école sont toujours dégueux, il faut en manger du frais. Résultat des courses, même les épinards frais, je trouve ça horrible. Let's go. Bah ton chef, il va te dire qu'en fait, faut savoir les cuisiner aussi. Le plot twist, c'est que tu cuisines comme un manche! Faut duplicator pour les éclairs. Putain, c'est vrai qu'il me faut duplicator pour les éclairs. Oh mais duplicator, c'est trop rare. En plus là, je suis dans la phase où les mobs, ils sont intuables. Ouais, j'adore ce moment. Crown. En vrai, je prends Crown. Et maintenant, il me faut le duplicator. Et là, si j'ai le duplicator, c'est... La run est faite, parce que derrière, on va chercher tous les passifs sur la minimap. Il faudrait duplicator maintenant, quoi. Ok, donc là, j'ai la faux améliorée. Enfin, le... La croix améliorée. Rune Tracer, King Bible. En vrai, King Bible, je pense qu'on va la jouer. Ça déjà, le jeu va arrêter de me proposer des armes. Enfin, en tout cas, des armes qui sont pas dans le pool. Prendre une Tracer. S'il te plaît, duplicator, par pitié. C'est maintenant. Hein. Bon, ça marchait vers l'upgrade. Bon, j'en suis pas très loin en vrai. Attractor. Ou sinon, je fais le choix de pas augmenter. Pas augmenter le Lightning Rod, mais la Holy Water. Non, non, non. Okay. Ah oui, c'est vrai que la tractor est sur la map. Putain, j'avais oublié. Oui, non, my bad, my bad, my bad. Je voulais pas faire ça du tout, en fait. C'était une blague, c'était une blague. C'est pour voir si vous suiviez encore. Non mais la croix améliorée, c'est quand même bien de la merde. Hein. Vas-y, il est où duplicator là? Stop un peu là. On l'a pas vu une fois depuis le début de la game. Oh ! Allez, c'est parti. La game commence maintenant. On va chercher l'armure. Faut arrêter de prendre la croix. Ben là, le problème, c'est que le perso, il start avec la croix, quoi. Je te déteste avec ce son. Pourquoi? Putain, merde, je me suis chié dessus. Ah non.
Oh oui, un 3. Des armes, s'il te plaît. Oui, Rune Tracer et Lightning Rod. Un deuxième 3. Oui. Let's go. Oh non, j'ai pas eu des armes. Putain, c'est des armes qu'il me faut, là. On va chercher la tractor, vite. La mass luck, c'est normal. Ouais, c'est normal, ouais. On a les mêmes runs. Ah putain, c'est loin, là, par contre. Ok, là, c'est vraiment loin. C'est loin et j'XP plus, du coup. Prends pas de retard d'XP. Bah, en fait, techniquement, je peux me permettre de pas de prendre un retard à l'XP, mais de... De tuer des ennemis sur le chemin et d'ensuite prendre l'XP avec une boule. Il y a plusieurs boules sur le terrain. Alors, elles sont loin, tu vois, mais... Techniquement, tu peux faire un bon rattrapage d'XP comme ça. Oh, c'est loin, par contre. Ah ouais, non, mais il y a vraiment du monde, en fait. Hein. Ça fait mal aux yeux, ce jeu de mort. Oh, il y a des nouveaux trucs, là. Oh là là. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Il me faut l'amélioration du Rune Tracer, il me faut un coffre. Mais putain, mais ça spawn à l'infini, là. Wow. Mais qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi? Faut sucer qui pour que ça s'arrête, ce merdier, là? C'est lui, l'invocateur, là? Ok, bon ça va faire du bien. Voir le Rune Tracer amélioré qui fait des... Qui fait des feux d'artifice, là. C'est à chier. Ça marche pas. Oh, y a legit trop d'ennemis, là. Mais j'ai un revive avec ce perso et j'en ai un deuxième au niveau 33. Ça peut m'aider aussi. Duplicator. Non, je veux le Lightning Ring parce que sur un prochain coffre, je me refais une arme améliorée. Je suis loin de la boule là. Putain. De Fort Boyard. Oh non, mais il y a des nouveaux mobs. Je peux passer? Venez m'ouvrir. Santa Water. Ça fait du bien, ça. Et même avec le NFT, je galère à avancer, quoi. C'est pour dire à quel point c'est de la brasse.
Moi, je les fume là. Et maintenant on se dirige vers une boule. Oh c'est loin. Pouah, la boule elle est loin. Il me faudrait un boss là en fait. Duplicator c'est bien. Voilà, je suis dans une phase où il n'y a pas beaucoup de mobs. Il y avait un clean mob. Je l'ai vu trop tard. J'ai l'impression que la remorque ça carry depuis tout à l'heure. Hein. Oh un boss. Ça, j'en ai besoin ça, faut que je le fume. Hein. Toi. C'est quoi ça? Oh, c'est les gold, non? Allez, allez. On a l'anneau d'électricité. Projectile strike twice. On fait de la double électricité. Ça va mettre très 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 bien. Maintenant, on va augmenter la Santa Water. On va augmenter ce qu'on peut, en vrai. Hein. Je suis pas loin de la boule, là. Faut que j'approche. Je comprends rien à comment ça marche ce truc. Hein. J'approche de la boule. La boule est bientôt en vue, je pense. La boule est juste en dessous. Est-ce qu'il y a un prank? Je m'en rappelle plus. Oh là là, oh là. Prends la boule, prends la boule. C'est quoi qui bloque là? Armure, King Bible, vas-y je vais augmenter les dégâts en vrai. C'est tout? Non, mais normalement il y a vraiment de l'XP partout sur la map. Hein. Oh putain c'est nul ça. Santa Water, King Bible, Santa Water, Crown. Santa Water, King Bible, Santa Water, Santa Water, King Bible, Santa Water, Attractorb. Ah, je savais qu'il y avait de l'XP un peu partout. Hein. Bon, maintenant, le but, c'est d'aller chercher le candélabre et les ailes. Bon, les ailes sont les moins loin, en vrai. Il me faudrait un coffre aussi. Hein. Ok, là, il y a un coffre, je pense. Il y a un gros ennemi. Alors, cette map, elle est stylée, mais elle est technique. Hein. Putain, garlic. Attractorb, plutôt. C'est une map un peu technique, je trouve. Hein. Ok, donc là, on va avoir la Santa Water améliorée. Je m'en rappelle plus ce qu'elle fait. Elle te suit, non? Evolve Santa Water, Damaging Zone, Follow You. Hein, ça. Ah oui, et si t'as Area of Effect, ça devient complètement débile, non?
C'est la pire map des 5 hors challenge. C'est la plus technique à jouer en vrai, non? En fait, il y a une vraie méta sur la map, j'ai l'impression. Si tu joues pas en optimisant les trucs à aller chercher plus les orbes, c'est chiant, quoi. Il me faudrait la King Bible améliorée maintenant. Oh, ça régale ça. J'ai déjà eu les hommes poissons. Les Neptunes. Ah, le multiverse là, le multiverse des Neptunes, il y en a plein. Attends, elles sont où mes wings? Ok. Il va y avoir une baise. Non? Ok, maintenant on va chercher le candélabre. Je sais même plus ce qu'il fait le candélabre. Mais... Le petit bucket de wings. Ça donne faim. AOE off range. Au passage, je prendrai une boule bleue. Oh là là. Oh, c'est dur là. Visuellement, c'est dur aussi. Hein. Ah, vous devez plus me voir là. Au revoir. King Bible. Ah mais je l'avais pas la King Bible au max. Oh là. Oh là là les problèmes. Je pensais qu'elle était déjà level 8 moi. Enfin 9. Attends, bah avant de ramasser le coffre, moi je veux ma Bible. Hein. Non mais je veux ma Bible, calme-toi. Oh, donne la Bible, par pitié. Le jeu qui troll intentionnellement, quoi. Nique-toi. On va avoir le garlic level 8 avant d'avoir la Bible level 8. Ouais. Nice. Ok, ça joue. Et maintenant, on va chercher l'XP, ça va me donner le garlic. On est pas loin. En fait, le problème, c'est que ça se trouve, il y a des pranks qui peuvent me tuer très rapidement à certains milestones, enfin, à certains time code, on va dire. J'ai des revives avec le perso, hein. Je les ai pas utilisés encore, je crois. Hein. C'est un bordel. Garlic. Oh, la vitesse de déplacement, c'est quand même un délire. Hein. Comment c'est trop bien. Oh parfait, je vais avoir mon garlic max. Bon, je suis content parce qu'on aura fait une vraie run sur cette map. Peu importe qu'on la gagne ou pas, on a fait ce qu'on voulait faire. Hein. On a réussi à gagner notre plan de jeu, quoi. On a mis notre plan de jeu à exécution, et ça fait plaisir. Oh, 2x3 ? Garlic plus... Ok, nice. Bon, allez que j'aille chercher le candélabre, là.
Oh, il est loin, le candélabre. Oh là là, qu'il est loin. J'ai cru voir une autre boule bleue. C'est une vanne ou... C'est le jeu qui bug? Ah non, il y en a bien une autre. J'en ai loot une. Ouais, j'aurais dû prendre la boule après. Ça m'aurait fait plus d'XP, mais bon, c'est pas... Enfin, ça m'aurait donné le candélabre level 8 plus vite. Enfin, je sais pas jusqu'à quel niveau il va, le candélabre. En fait, si on a un regret sur cette run, c'est d'avoir le stone mask. À la place du stone mask, il nous aurait fallu genre les spinacs. Ça aurait été fou. Les passifs, c'est 5. Sauf duplicateur. Je peux clairement bourrer en vrai, je sais pas pourquoi je m'emmerde. Hein. L'armure a l'air de carry. Hein. Ça pareil, j'aurais dû le prendre après. Un petit homme, on aurait pu avoir un petit homme aussi. Hein. Alors, bien sûr, il y avait moyen de rendre ce build bien meilleur. Mais... On va avoir nos 6 armes évoluées et ça quand même c'est un délire. Hein. Enfin on a nos 6 armes évoluées en fait. Ce qui va me donner un succès en plus. Putain c'est où? Non mais je vois vraiment rien. Hein. Ce jeu me rappelle à quel point on voit rien, quoi. Je suis censé être dessus, là. Ah, il est là. Ben voilà. Il me reste une boule, on va chercher la boule. Histoire de gagner des golds. Les allers-retours que j'aurais tapé quoi, au secours. Hein. Ouais, hein, foncer dans les ennemis, ça commence à être un peu compliqué. Hein. Apparemment. Oulala, oula. Oulala, oula. C'est Dark Souls le jeu, ça y est. Par contre, candélabre, c'est ouf, comment c'est trop bien dans mon build en fait. C'était un peu ce qu'il me fallait. Plus t'avances dans le jeu, plus la méta c'est de faire casser sans aller-retour. C'est rigolo, on pourrait pas tout... Après le problème c'est que du coup il y a vraiment une méta par map. Ah genre là, cette map là, je t'avoue que relancer une run dessus... Je suis en mode, oh là là. Ah, du coup il faut que je refasse tous les bails de d'abord optimiser, trouver mes passifs. Ensuite me balader, sauf que quand tu te balades faut que tu prennes en compte l'XP. L'XP que t'as pas pris faut que tu prennes les orbes sur le chemin. C'est très résolu quoi. Il y a un coffre là, non? Il y a des poulets maintenant aussi, je pense. Toutes les maps sont comme ça. Ah, la forêt, elle est comme ça maintenant. Parce qu'à l'époque où je jouais, il y a 4 mois, t'avais la bibliothèque était un peu comme ça, parce que tu allais chercher le tome et le masque de gold, mais... C'était une optique que t'étais pas obligé de faire, d'ailleurs, pour gagner la map, hein. Par contre, la forêt, c'était pas le cas. Des poulets avec des queues de lézard. C'est des Quetzalcoatl, non? Quetzalcoatl, là, il ressemble pas à ça dans la divinité Inca. Je sais pas comment il se prononce, Quetzalcoatl. C'est des cocatrix. Ah oui, c'est des cocatrix. En plus, ils sont dans Castlevania, on a souvent des cocatrices. Vous avez totalement raison.
Oh stop, 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 attends, je suis en train de me coiffer là, deux minutes. Oh, en vrai, Pomarella m'aurait heal. Hein. Tout ça pour si peu de gold, hein. Garlic heal aussi, ouais, ça. Bon, du coup, j'ai loupé 25 balles, quoi. J'ai été un peu con. T'en penses quoi du jeu, maintenant? Quel point de vue? Bon, honnêtement, ça va dans la même direction que ça allait au début, quoi. C'est toujours aussi plaisant à faire, quoi. Mais je pense que le vrai problème qu'ils auront, c'est que... les métas sont toujours résolus et... il n'y a pas l'air d'avoir d'objectif précis, toujours. Moi, j'attends le Vampire-like où il y aura des vraies choses à faire. Hein. Mais comme dit, en fait, plus les Vampire-like s'améliorent, plus on va arriver au moment où, en fait, ben, on retourne sur Binding of Isaac, en fait. Oui, actuellement, l'objectif du jeu, c'est les achievements. Hein. Ah ouais, non, mais attends, c'est un peu chaud, là. Il n'y a que des boss, en fait. On me voit plus. Ah oui, il y a un vampire à trouver, il est dans un autre coffin. L'encodage en PLS, en vrai mon PC doit kiffer aussi là. Oh, ils ont l'air vénères les hommes boules là. Les grands golems là. Oh, allez les golems. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un truc rouge qui est apparu. Ah bah je suis mort en fait. Ah, j'ai deux revives. Un revive. Ouais. Il m'a poussé le fumier. J'ai un deuxième revive encore. Je pense que c'est oui, non. Hein. GG un peu, non? Quel boss! Laisse-moi tranquille, toi! Oh! First try. Easy clap. Revive. Defeat the Sword Guardian. Unlock Toronas Box. Unlock Clérissi. Unlock Gallo Tower. Unlock Tiragisu. Unlock Hyper the Bone Zone. Ok. Power up. J'ai pas débloqué de power up là. De toute façon là faut que je prenne l'XP en vrai. L'XP c'est trop bien. Qu'est-ce que j'ai débloqué? Ah oui non mais j'avais des persos à acheter aussi. Je peux acheter Claire ici. Permanence 0,5 HP par seconde, 50 max L, start with temporary, area bonus. Marrant ça. Qu'est-ce que j'ai débloqué? J'ai débloqué le stage 4 et j'ai débloqué la version hyper du stage 3 du coup.
C'est quoi la musique du stage 4? Mec, vire la curse. Pourquoi? Curse, ça sert pas à XP? Hop, 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 hop. J'ai réussi à gagner avec la curse, hein. Curse égale plus dur, mais plus d'XP. J'ai une curse, c'est quoi? C'est frequency 10%, health, quantity, speed. Ouais, quand même, c'est beaucoup. Hein. Plus les stages avancent, plus c'est dur, ouais. Ça rend plus dur, mais ouais, plus d'XP. Il manque pas grand chose après en vrai, genre il manque un growth et après c'est le revival, bon c'est utile. Et les max health recover HP quoi. Par contre il y a v'là les trucs à débloquer en effet maintenant. Not yet found, regardez-moi tous ces objets que j'ai jamais vus. Après là je viens d'en débloquer pas mal hein, mais... Autant augmenter la crown. Bah je viens de le faire, mais la crown je l'augmenterai la prochaine fois. Genre si je gagne une run, la crown elle sera level max en fait. C'est 3% par crown. Oui, si je refund, je peux sûrement optimiser et acheter des trucs mieux, mais c'est pas grave en vrai. Je suis déjà pas loin de tout avoir en fait. Enfin de tout avoir de ce que j'ai déjà débloqué on va dire. Oh. Bon bah au revoir YouTube. Envie de péter les plombs un peu. Putain, j'ai la tête mais comme as quoi. Ça te fait un... Oh. Quelle vie.